Ce let's play sur Fallout New Vegas est sponsorisé par G2A.com. Visite ma boutique sur laquelle tu retrouveras des réductions pour tes jeux préférés. Lien en description. Comment ça va là? Ça fait longtemps, hein? Salut les survivants. Toujours sur le pont, merci beaucoup. Ouais, merci, il y en a qui se sont sub pendant que je streamais pas, donc vraiment, respect à vous aussi. Donc Lucifer Penny a bouffé 2022 personnes sur Fallout 3. Dans les terres désolées de la capitale, de Pittsburgh, de Point Lookout. Vous avez aimé Lucifer Penny sur Fallout 3. Vous allez adorer Lucifer Penny sur New Vegas. On va se faire tranquillement la mission principale parce que sur Fallout New Vegas, il y a moyen de faire la pute comme jamais j'ai fait la pute. On peut trahir tout le monde. Mais on va faire mieux que ça. Donc c'est parti, nouvelle partie. J'ai déjà envie de faire une sauvegarde auto là en vrai, mais je peux pas. Ça, c'est la belle vie. Mais oui, bien sûr. Une armure assistée cosplay. Il y a des spécialistes, hein, mais ça coûte une blinde. Hein. Les gens qui font ça professionnellement. Une armure assistée, tu peux compter plusieurs milliers d'euros. Un bug? Non, pas de bug. Enfin, de ce que je vois. La petite intro qui va bien, hein, toujours, le strip, les soldats bourrés de la RNC, ils sont bons qu'à ça, évidemment. En vrai, cette intro, elle envoie tellement du rêve. Merci Jérém de casser, niquer cette introduction encore une fois. Comment casser une cinématique en une musique, exactement. Exactement, non, ça va, c'est bon, c'est sur un slow motion, c'est bon, ça va, ça passe encore. Un slow motion d'une petite balle au sniper, ça faisait plaisir. Jérém, t'es ban. Je pensais plus en mode légende des terres désolées. Ça risque pas. Trop cool. Et oui! Regardez-le, le petit Benny. Avec des grands cannes. La guerre. Des grands cannes ou des poudres. La guerre a toujours le même visage. Lorsque le feu atomique se répandit sur la Terre, seuls ceux qui s'étaient réfugiés. Si on n'entend pas fort, c'est pas de ma faute, hein, c'est le jeu. Lorsqu'ils s'ouvrirent à nouveau, la population quitta les ruines de l'ancien monde pour établir de nouvelles sociétés, des villages et des tribus. Au fil des décennies, ce qui avait été le grand désert américain se rassembla. Sous la bannière de la République de Nouvelle-Californie. New California. Attaché aux valeurs démocratiques de l'ancien monde et au respect de la loi. Sa croissance créa des besoins nouveaux. Des éclaireurs partirent à l'est, en quête de territoire et de richesse. Oh là là, ça m'a manqué le désert, en vrai. C'est tellement différent de Fallout 3. Ils prétendirent avoir trouvé une ville que les têtes nucléaires avaient épargnée, ainsi qu'un gigantesque mur sur le Colorado. La RNC mobilisa son armée et l'envoya occuper le barrage Hoover. Et le remettre en état. Le barrage ouvert à tout le monde. Pardon. Mais sur l'autre rive, une société. New Vegas, c'est moins horreur. Ça dépend d'où tu vas. L'abri 22, il y a des abris qui font bien flipper quand même. Gigantesque, composé d'esclaves arrachés à 86 tribus. Ah, on adore ce blason. Il est derrière moi d'ailleurs, ce blason. Pendant 4 ans, la République parvint tant bien que mal à tenir le barrage contre les assauts de la Légion. Mais celle-ci refusait de l'abandonner. Oh, tellement de viande sur à manger. Rive, elle gagne en force. Les feux de camp brûlent, les tambours résonnent. Malgré cela, le strip de New Vegas a continué de prospérer, contrôlé par un mystérieux dirigeant, Monsieur House. Ah, le Casador. Putain, ils m'ont pas manqué, celui-là. Et de robots policiers. Faut viser les ailes, hein. Vous êtes un courrier engagé par le Morave Express pour remettre un paquet quelque part sur le strip de New Vegas. Mais ce qui ne semblait être qu'une livraison sans histoire a viré au cauchemar. Eh oui. Et là, c'est le drame. T'as eu ce que tu voulais, alors paye. Quand il pleuvra sur Vegas, mon pauvre ami. Regarde qui vient de se réveiller. On bonsoir, Aigle. Tu es ma constellation Allez, préférée. Aigle. Les tueurs abattent peut-être les gens sans les regarder dans les yeux.
Mais je suis pas un faucheton. Compris ? Celui qui me donne l'étoile principale de la constellation de l'aigle gagne quelque chose. Désolé de te traîner dans une sale histoire comme ça. Regarde-toi, c'est plus de la poisse, c'est le destin qui s'acharne. En vérité... Je te retrouvais ! Je vais te retrouver, connard ! Et là, c'est le drame. Lucifer Penny sombre dans l'alcoolisme et la dépression. Laissée pour morte dans un désert inactif. Elle reviendra pour bouffer et se venger tout le monde sur son passage. Non, Andromède, c'est pas du tout une étoile. Ah si, si, c'est une étoile. Non, c'est une galaxie. Si, c'est une galaxie, en fait. J'aime l'intro de New Vegas, c'est la meilleure. Elle est longue, hein. Putain, j'avais oublié qu'elle était si longue. Les dés étaient pipés depuis le début. Eh ouais. Bon, évidemment, il y a tous les DLC qui sont installés, donc on va voir quelques messages. Voilà, on a des pièces d'équipement en plus pour commencer le jeu, évidemment, quand on a les DLC qu'on commence. On a des armes aussi, si je me trompe pas. Donc ça, déjà, ça va nous faciliter largement la vie de commencer avec les DLC. Un ventilateur, où suis-je ? Pièces d'équipement tribal, tout vous à fait. Vous avez repris vos esprits. Ouais, on a des balles de ouf. Oula, du calme. Doucement, vous avez été dans les vapes pendant plusieurs jours. Détendez-vous un petit moment, histoire de prendre vos repères. Bon, voyons l'étendue des dégâts. Il est comestible, lui, hein. D'abord votre nom. Vous vous souvenez de votre nom ? Bien sûr que je me souviens de mon nom. Je m'appelle Lucie Ferpenny, cousine éloignée de ce cher Alistair Tempenny, cannibale, tout ça, mais bon, ça, vous allez le savoir assez rapidement, quand je vous mordrai le cul. Je ne sais pas pourquoi, mais je m'attendais à autre chose. Ah. Mais si c'est votre nom, c'est votre nom. Je m'appelle Doc Mitchell. Bienvenue à Good Springs. Bon, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais j'ai dû vous raccommoder la caboche après avoir enlevé tous les petits morceaux de plomb. Je suis généralement assez content de mes travaux d'aiguille, mais c'est à vous de me dire si j'ai bien tout remis en place. Vas-y, fais péter. Donc on va faire évidemment un personnage féminin. Elle aurait pu changer de sexe, hein, qui sait, en cours de route, de la côte est à la côte ouest, une petite opération vite fait bien fait chez un spécialiste, mais elle a décidé de rester une femme. Elle est homosexuelle, hein, je le rappelle. Notre petite Lucifer Penny, elle a une attirance assez violente pour les femmes. Les hommes, elle les emmerde. Elle est blanche. Voilà, voilà. Qu'est-ce que c'était ? Ah oui, ça, c'est des présélections. Bah, on va se faire le visage personnalisé, hein, de manière générale. Elle avait un visage énorme, voilà, dégueulasse. Donc vraiment extrêmement, extrêmement... limite masculin, en fait. Hein. Faut pas oublier qu'elle a subi des mutations depuis qu'on a créé son personnage sur Fallout 3. On va lui faire subir des petites mutations parce que... Donc on est passé de Fallout 3 qui se déroule en 2247, si je me gourre pas. Ici, on est en 2277 et 2280. Donc, il y a quelques années. Il y a quelques années entre Fallout 3 et New Vegas. On va la faire un petit peu bouger. Je vais déjà faire ses cheveux après. Ah non, ça, c'est après. Le front, il était très large. Vraiment un grand front. On va lui faire une tête énorme. Elle avait des petits yeux. Ça, je m'en souviens aussi. Donc voilà, ici comme ça, plutôt reculé et aplati. Les sourcils, ça on s'en souvient. Les sourcils, ils étaient plutôt hauts. Comme ça, ouais, je regarde un petit peu. Voilà, ils étaient comme ça, écarquillés comme ça, vraiment chelou. C'est particulier, hein, je vais pas vous le cacher. Ne la jugez pas. Ouh là là. Elle avait de gros yeux. Si je me trompe pas, elle avait vraiment de très 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 gros yeux, donc des yeux qui font vraiment flipper. Donc ça c'est bon. Le nez, elle avait un long nez. Très 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 long nez. Voilà un nez de mec, hein, presque. Et là, elle va voir le nez de Jean Reno, très concrètement. Il est pointu, est-ce qu'il est haut ? On va l'abaisser un petit peu. On va modifier son nez, tiens. Parce qu'elle a appris à flairer la viande humaine au fil du temps.
C'est pas 2281, Joe, New Vegas? Pour moi, c'est 2281, New Vegas. Si je me trompe pas. Après, t'as peut-être certains DLC. Oui, elle fait flipper, tout à fait. On va dire que son nez s'est développé. Elle a développé un nouveau sens. Enfin, elle a le même sens qu'avant, mais beaucoup plus affûté pour flairer la viande humaine. Hein. Elle le sait, ça. Je vais me remettre de face parce que là, je vois pas grand-chose. Mais il y a quand même déjà un petit air de Lucifer Penny, là, on le voit. Ah ouais, abaissé comme ça. On va la rendre on va la rendre reptilienne, en fait. On est en train d'en faire un animal. Cette pauvre Lucette. Voilà. Hauteur des racines. Ah, c'est ça, ok. Bon, on va rester là-dessus. La bouche. Elle avait des lèvres extrêmement fines. Vraiment pour faire qu'en fait, la chair de ses lèvres, c'est... À cause de ce qu'elle mangeait, des os, etc., elle s'est désagrégée aussi au fil du temps. Donc des toutes petites lèvres. En fait, c'est surtout pour la dent. Hein, là. C'est pour que les dents puissent facilement sortir et directement mordre. La mâchoire, elle avait une mâchoire bien pétée. Voilà, elle avait des lèvres cheloues comme ça. Ah, regardez, c'est chelou. On dirait cette prof de français là qu'on a tous eu là et qui cassait les couilles. Enfin, moi, ça me rappelle ça en tout cas. Ah, merde. Ouais, elle a vraiment une mâchoire, regardez-moi ça. C'est sublime. Concave, convexe. Ah ouais, voilà, elle avait un menton, effectivement. Elle avait un sale menton, je m'en souviens aussi. Justement, le menton, c'est maintenant. À l'avant, voilà. Son menton, regardez. Son menton et son nez font qu'ils se rejoignent quasiment pour en fait facilement bloquer la chair humaine au niveau de la bouche. Elle n'a pas besoin de se servir de ses mains, en réalité. Elle va directement mordre et hop, elle se lock, tchac, directement sur la bouffe. C'est facilement adaptable à un bras ou à un tibia, par exemple. Large enfoncé, bim, large, léger, profond. On dirait qu'elle est en train d'avaler, là. Voilà. Haut, court. Haut, voilà. Comme ça, on est bien, je pense. Yes. Ça fait vraiment flipper. Là, on commence à être sur quelque chose quand même de très particulier. Le ton. Ah, la couleur. On va la rendre ultra blanche. Donc vraiment, elle est devenue une vampire. Elle bouffe de l'humain. Elle a des maladies à tout va. Donc vraiment ultra pâle. Tu la vois, t'es mort déjà. T'as une brûlure au cinquième degré, en fait. Dès que tu la vois, tellement elle réfléchit la lumière du soleil. La teinte bleue en vrai, ouais, le bleu plus, parce que le bleu c'est plus cadavérique, le jaune pas du tout. Les orbites, ah, les orbites, on peut garder un petit côté noir autour, là on va assombrir son regard. Les sourcils, voilà, noir aussi, comme ça fait vraiment une espèce de, pas d'eyeliner. Le nez, quoi, le nez blanc, hein. Les lèvres blanches aussi, le nez blanc, la moustache blanc, les joues blanc, vraiment on va la rendre ultra 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 cadavérique, à faire flipper vraiment. Je sais pas pourquoi les autres pourquoi le... Ah ouais, tout est lié en fait. Voilà, donc là elle est vraiment très 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 blanche. La couleur des yeux, je pense qu'on était parti sur marron foncé, donc assez noir, comme ça on est bien. Merci Sam pour le sub, merci beaucoup. N'hésitez pas les gars, bien sûr. Plus vous faites de sub, plus il y aura de décès. Comme les vampires de Fallout 3. Ouais, la famille, exactement. Bah d'ailleurs, avec cette coupe-là, elle ressemble fort au chef. L'âge. On va pas la rendre ultra vieille. Putain, elle fait vraiment flipper. Elle fait vraiment flipper. On va pas la rendre non plus ultra vieille, mais j'ai quand même poussé à fond. Comme ça, voilà, style de cheveux, diablotine, voilà sa coupe de cheveux, bien sûr. Merci Racing, et merci pour le follow d'Endalar, mais merci Racing, je le dis déjà à l'avance, voilà, l'alerte c'est maintenant. Donc on va se remettre la coupe diablotine qu'elle avait déjà dans Fallout 3, hein, c'est une diablesse, et puis c'est aérodynamique, hein, quand elle pourchasse ses cibles. Et ses proies, tu vois, elles fend l'air. Couleur des cheveux, ben rouge. À fond de balle dans le rouge, voilà, comme on était avant. Que du rouge. Elle est sortie de l'enfer. Les sourcils rouges aussi.
Et voilà, Lucifer Penny, comme vous pouvez le constater, entre Fallout 3 et New Vegas, elle a pris un gros coup de vieux. Elle a pas beaucoup de muscles, c'est surtout dû à sa forte consommation d'êtres humains, hein. Voilà, c'est aussi simple que ça. Elle a pris dans la gueule, mais c'est pas aussi pire que ce qu'on avait fait dans Fallout 4, hein. Elle a un double menton dégueulasse. Comment ça se fait? Bah, on peut garder le double menton en vrai, hein. Je savais même pas qu'on pouvait faire un double menton dans ce jeu. Ou alors c'est sa glotte. C'est sa pomme d'Adam. Oh là là, merci Sam pour les 5 sub-gifts. Merci, merci. Jérémy, Zorus, Game and Selling, Mr. New Vegas, Amancio, vous chopez un sub. Merci beaucoup, ça régale, ça fait plaisir. Merci les gars. Merci, merci. Et voilà, Lucifer Penny est prête à revenir. Voulez-vous vraiment ça comme personnage? Bien sûr, ça. Voulez-vous vraiment ça comme personnage? C'est la phrase parfaite pour ce qu'on vient de créer. Concrètement, c'est Lucifer Penny. Donc oui, je veux ça. Eh bien, l'essentiel est en place, en tout cas. L'essentiel est en place, merci. Merci, merci. Inutile de vous garder. Voyons si vous êtes capable de tenir de vous. Sexy. Souille. Essayez de marcher jusqu'à l'autre bout de la pièce pour voir. Sur Fallout 3, allez, elle avait pas des cornes qui lui ont poussé sur la tête. Allez-y. Si, bah en fait c'est ses cheveux. Oh putain. Il fait flipper de près lui. Ne me regarde plus à moins de 30 cm s'il te plaît, ce n'est pas très agréable. Bon, évidemment. Alors déjà, sauvegarde. Parce que voilà. Ça va, j'ai 900 slots de libre, donc c'est parfait. Ça a l'air d'aller. Ça va bon, bien, ouais. Le testeur je suis à poil ? Je suis à poil. Super. On va savoir si vous avez recouvré toutes vos facultés. Comment dire qu'on se réveille à poil chez un vieux type chelou qui nous demande de nous reconstruire, en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui nous a fait? Qu'est-ce que c'est, en fait? Le scénariste... On a Marc Dutroux, en fait, dans le scénario. C'est bon, j'ai déjà placé Marc Dutroux, reprise des streams. Donc on va se mettre, évidemment, tout ça. J'ai envie de faire un petit truc. Donc on va jouer en très difficile. Et vous pouvez choisir un truc. On va faire un vote. Vous allez me donner une contrainte. Je vais faire ça moi-même. On n'est jamais mieux servi que par soi-même parce que mes modérateurs sont des gros cons. N'est-ce pas, Vosk? Je déconne. T'es le seul qui est là, je t'aime bien. Tous les autres sont partis, sont en vacances. Et oh. Donc on va tout de suite faire un petit sondage. Proposez-moi des contraintes, les gars. Qu'est-ce que vous voulez me faire me rendre, vous pouvez me rendre la vie difficile. Vous voulez faire quoi? Sans armes? C'est pas possible. Non, attends, Vosk, on va voir ce que les gens proposent d'abord. Proposer des trucs, ça peut être une game sans armes de corps à corps, ça peut être une game sans armes à énergie, ça peut être une game sans quelque chose ou avec quelque chose ou commencer avec une spéciale. C'est vous qui choisissez. C'est vous qui choisissez. Jamais recharger une arme sans finir le magasin. Ah, ça c'est pas mal. Attendez, je note. Je note. C'est pas mal. C'est original en tout cas. Donc, recharger magasin. Ensuite, un en chance. Ok, pourquoi pas. Sans explosif. Oh mec, non, ça je peux pas, gars, parce que je surkiffe trop les mines. Pas de... Non, les mines, je suis désolé, ça je peux pas. Je peux pas sacrifier les mines. Les mines let's get si vous voulez, mais pas les mines à capsule. C'est comme vous... C'est surtout ça. Sans armure assistée, pourquoi pas, franchement, moi je m'en bats les couilles parce que à la base je joue pas trop. Sans AA, donc. Une game sans Steam Pack. Oh, ça mec, oh ça c'est tellement difficile, je suis désolé mais sans Steam Pack, ça c'est très très difficile, sans armes lourdes, ok. Sans SVAV, putain, après ça va être chiant, hein. Sans SVAV, jouer à Fallout, c'est quand même chaud, sans Radix, ok. Bon là je pense qu'on en a déjà pas mal. Sans trousse de médecin, sans radaway, que au corps à corps. Ok. Bon, j'ai déjà une liste assez fournie. On va faire, je vais faire le vote avec mes préférés. Il y en a qui sont vraiment très très difficiles.
très 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 difficile, sans point de compétence. Ça, c'est vraiment un truc de pute. Donc c'est parti, je fais le sondage. Il va être très rapide, les gars, parce qu'on va quand même jouer, hein, on est là pour ça. Choisis la contrainte. Alors, il y en a pas mal qui me plaisent. Commencez avec une en chance. Pourquoi pas? Donc la chance, je le rappelle, dans le jeu, au cas où certains d'entre vous, comme moi, auraient oublié ce que ça concerne. C'est le dernier, évidemment, hein, pour péter les couilles. Certains piétons, blablabla. Donc ça impacte effectivement tous les points de compétence, les coups critiques, méga importants, et les incidents pour les ennemis. Donc concrètement, la chance, ça a quand même pas mal d'importance. Et surtout, je pense que ça donne plus de points de compétence à chaque fois qu'on gagne un level, si je me trompe pas. Donc effectivement, si on veut progresser et être fort vite, un en chance, c'est un handicap. Après, il y a différents moyens de l'augmenter. Mais bon. C'est un handicap. Donc, un en chance. Ou alors, sans explosif, ça c'est mort. Je suis désolé parce que je vais utiliser des mines à foison. J'aime trop ça. Même moi-même, mourir de mines, j'aime ça. Donc, c'est mort. Sans armure assistée, c'est un peu léger. On va voir ce qu'on a d'autre. Un en chance, donc ça c'est noté. Sans radix. Pourquoi pas? C'est une drogue assez utile en vrai dans New Vegas. Que au corps à corps. Donc je ne jouais que au corps à corps. Que au cac. C'est corps à corps. Hein. Toujours tenter la persuasion avant tout si possible. Bah ça, c'est pas une contrainte. Ça, c'est plus un choix de roleplay. Et je suis toujours comme ça. Donc, Jonathan, t'inquiète pas. Sans manger des gens, ça c'est mort aussi, Vince. Ah bah voilà, Vince. Tu portes le nom du gars de la famille, t'es le chef de la famille. En ne prenant de la vie qu'en mangeant des gens. Ouh, ça c'est chaud, parce qu'on peut pas bouffer les insectes, tu vois. Donc dès qu'on va faire des missions, genre l'abri 22, je vais clairement crever tout le temps. Sans points de compétence, sans alliance, sans radaway, sans réparer. Ah, sans réparer, ça c'est difficile en vrai. Je note, sans réparer, c'est dedans. Donc, dès qu'on trouve des armes similaires, on peut les réparer entre elles. C'est vraiment un truc que j'utilise tout le temps, personnellement. C'est un truc de ouf. Tuer tout le monde. Ça, franchement, ça fait déjà partie de mon objectif, t'inquiète pas. Au corps à corps, 40. Mais pas de chance, pas de critique, par contre. Bah, en vrai, au corps à corps, les criticales, c'est pas si important parce que quand t'es bien balèze, en général, tu fais assez mal. Soins injuste en ville. Ah, ça c'est intéressant. Se soigner que en ville. Mais ça veut dire que dès que t'es dans une mission à l'extérieur, t'es baisé, en fait. Ouais, non, ça c'est difficile. Puis définir ce que c'est qu'une ville dans un post-apocalyptique, Jonathan. T'es un peu con, il me semble, hein, Jonathan. En fait, je trouve tes idées bien au début et puis c'est nul. Juste un lit ou rien. Ah, les lits, ouais. Arme de poing seulement. Pourquoi pas? Arme de poing, pistolero, du coup. Donc pistolero, si je comprends bien, gameplay pistolero. Bon alors, on a 5 propositions. Commencer avec un en chance. Ne pas utiliser de radix pendant toute la game. Jouer que au corps à corps. Ne jamais réparer ses armes. Ou alors jouer pistolero. Donc que au pistolet, les armes de poing. Sans réparer ses armes, je vais quand même être un peu plus précis dans mes propositions, parce que là, ça ressemble à rien. Voilà. Bon, on a le temps. Vous avez 5 minutes. Je suis gentil. Vous pouvez soudoyer avec vos points de survie. Je vais quand même mettre le soudoiement assez cher. Hein. On va se faire ça en mode Congo. Pardon. Enveloppe Puma, salut. Donc voilà, je pense que là, on a des bonnes propositions. On a gardé les meilleures. Donc c'est parti. Un en chance, pas de radix. Jouer que au corps à corps, sans réparer les armes. Ou alors jouer que pistolero. Donc c'est parti. Le sondage commence. À vous de choisir. Pendant ce temps-là, je vais faire mes spéciales. Donc j'attends la fin évidemment pour voir si on met un en chance ou pas. Mais déjà, Perpenny, exactement, merci à toi. Intelligence, charisme. Donc on va évidemment se mettre. En fait, tout dépend du sondage, je suis trop con. Si je joue que corps à corps, les gars, je me mets directement 8 en force, hein. Mais déjà de base, Lucifer Penny est balèze en force. Donc on lui met déjà minimum 7 en force.
Elle est Adonis de plage. Donc ça impacte le corps à corps, la main nue, le poids dans l'inventaire, les dégâts, l'efficacité de l'armement. La perception, ça en vrai, je vais laisser sur 5. Donc c'est pour les explosifs, le crochetage, l'arme énergie que j'utilise jamais perso, l'arme énergie. On va pas jouer énergie parce qu'on liquifie les ennemis et du coup on peut pas les bouffer. Donc voilà. Les armes de précision, ça franchement c'est pas non plus trop mon truc. L'endurance, moi je suis partant pour laisser ça sur 5 également. C'est assez important l'endurance, surtout si on joue en très difficile. Troc, discours, compagnon. Donc le charisme direct, les gars. 8 en charisme. Donc elle est forte et elle est charismatique. C'est la base de Lucifer Penny. Donc on est sur le niveau star de cinéma. Elle est trop cool la machine en vrai pour faire les spéciales sur New Vegas. Putain, elle est super bien foutue. L'investissement est dingue, juste pour ça. Maintenir l'addiction à l'alcool, on est des gangsters. Ah, mais ça, ce sera d'office aussi. Voter pour un malus que Candy. Tain, Vosk, t'as fait une faute dans mon pseudo. Et puis tu t'étonnes que je t'insulte. Auras-tu du long dans son gameplay? Dépêchez-vous. Ouais, il reste moins de 3 minutes là. C'est assez divisé. Apparemment, un en chance, jouer pistolero, ça se joue entre ces deux-là. Donc n'hésitez pas, les gars. Je vais manger, je reviens. Bon appétit. Il y a un U, Vosk. Oui, il y a un U, Vosk. Attends, ça fait quoi si tu as un en chance? J'ai pas écouté. Ça limite en fait le nombre de points de compétences que tu pourras distribuer dans tes montages de niveau. Ça diminue aussi tes chances de coups critiques. Et ça a encore un effet que j'ai complètement oublié et dont je m'en bats les couilles. Voilà. Donc 8 en charisme, ça c'est d'office certain. L'intelligence, je me souviens qu'on avait commencé avec une grosse conne sur Fallout 3. Mais l'intelligence c'est important pour gagner de l'XP et des points de compétence. Ah mais non, c'est l'intelligence qui impacte les points de compétence. Donc la chance, toutes les compétences. Ah ok, la chance en fait ça impacte à mon avis toutes tes compétences de base. Ah ouais, du coup en fait c'est horrible. Oh mais la chance c'est horrible. Je viens de m'en rendre compte. La chance, c'est horrible, ça impacte toutes les compétences. Oh là 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 là. Et alors le niveau 1 en chance, parce que comme j'ai l'impression que ça va être ça, je vais déjà mettre 1 en chance. On est du coup sur le level 13 chat noir, super. Ça fait bicou là. Donc j'ai quand même 4 points de compétence à distribuer. Quitte à contrebalancer la lacune en chance, bah je vais la foutre en intelligence. Hein. Si on commence avec... en fait, c'est pas plus mal en vrai de commencer avec 1 en chance, parce que on part avec une cannibale qui a pris cher à tous les niveaux. Donc elle est affaiblie. Donc ça, c'est assez RP. Tu peux pas voter. Ah. Le 1 en chance, c'est durant toute l'aventure ou juste au début? Pendant toute l'aventure. Le 1 en chance, c'est pendant toute l'aventure. Donc pendant du début à la fin, j'aurai 1 en chance. Et ouais, c'est ça le truc. Ça va vraiment être difficile. Ça va vraiment être difficile. Lucie, elle est bête, donc pas d'intelligence. Si, quand même, parce qu'il faut... Après, on peut partir un petit peu plus sur le personnage avec lequel on a fini dans Fallout 3, tu vois. À la fin de Fallout 3, bah, j'avais 10 en intelligence. Après, c'est pas une génie, on va pas déconner non plus. Mais 8 en intelligence, ou alors vraiment 7, je trouve ça pas mal. Le charisme, on va vite l'augmenter grâce à des tenues. L'endurance, en vrai, ça peut être intéressant. Donc la santé, la résistance, pourquoi pas. Donc ça y est, le vote est terminé. On va se faire donc un personnage. Oh putain, Joe, t'as abusé. Joe, t'as tellement soudoyé, c'est abusé. Il y a tellement eu de... C'était pas très démocratique ce vote, on le sent tout de suite. Donc on part avec 1 en chance, du début à la fin. Donc je commence avec 1 en chance et on terminera avec 1 en chance toute cette game. Donc voilà, c'est fait, j'ai déjà mis 1 en chance. Perception, je vais le laisser comme ça. Endurance, je suis chaud de me mettre 6. Et force, pourquoi pas directement se mettre 8, en fait. Je vais d'office jouer corps à corps au début.
Après, peut-être que pour les munitions... Ah ouais, c'est vrai, attendez, on est en très difficile. On va prendre des gros dégâts. Les mobs dans New Vegas, ils sont bien, bien dégénérés aussi. C'est peut-être intéressant que je me mette bien en agilité, en fait. C'est peut-être mieux que je me mette bien en agilité. Donc l'agilité, les armes à feu, la discrétion que je veux aussi jouer, la vitesse et la régénération des points d'action. Ah ouais. Est-ce qu'on partirait pas sur un bon petit combo force-agilité, les gars, pour être bien niveau armement? Je laisse 7 en intelligence, je laisse 8 en charisme, je retire 1 en endurance. Je vais mettre mon point dans l'agilité. Voilà. Est-ce qu'on va... On partirait sur ça, je pense. Oh là là, il fait mal. Le 1 en chance, il fait mal. Oh. Alors que c'est vraiment important, la chance, hein. Sans déconner, c'est super important. Bon, alors, voyons voir ce que ça donne. 8 en force. Logique. Perception 5, basique. Endurance 5, basique. Charisme 8, logique. Donc ses spécialités, c'est le charisme et la force. Ensuite, on a une belle intelligence, même si elle a diminué depuis Fallout 3, parce qu'elle a bouffé beaucoup de gens. On a une bonne agilité, et alors on a que dalle en chance. On a que dalle en chance. Et ouais, aïe 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 aïe. Joe, tu t'en sauveras pas, Kendia. Franchement, ouais, Joe, là, t'as soudoyé. Soudoyé est la clé, tout à fait. Ah, mais toujours ici, hein, toujours sur ce stream, les gars. Bon, ben, on part avec ça. Adjugé vendu. Donc, on est balèze en force, en charisme. On va pouvoir vite arriver à 10 en force et en charisme. Donc, ça, déjà, voilà. L'intelligence aussi, on peut la booster dans les premiers levels. Hein, c'est ce qu'on va faire, parce qu'il faut vite gagner de l'XP. Donc, autant la booster dès le début. Donc normalement ça devrait bien se faire. La chance par contre, on va vraiment être baisé quoi. On va vraiment être baisé. Je pense que ça joue aussi sur les munitions, non? Et notre loot. Être malchanson alors que tu es à Vegas, c'est chaud. Ah mais oui, putain les gars. Ah mais vous êtes une grosse bande de fils de pute. Parce qu'il faut jouer au casino pour se faire blinder de capsules. On doit jouer au casino, il faut faire blinder de capsules, il faut 7 ou 8 en chance minimum. Ah mais vous avez niqué tout mon blackjack. Oh, vous avez niqué tout mon blackjack, c'est maintenant que je comprends. C'est maintenant que je comprends, je suis trop con, les gars. Ah ouais, non, vous êtes vraiment une bande de bâtards. C'est vraiment une bande de bâtards. Parce que je comptais tellement aller dépouiller les casinos. Oh, ça, c'est pour après acheter les puces électroniques d'amélioration à la clinique, des disciples et tout. Oh putain, vous avez déjà niqué tout un truc de mon gameplay. Dire que ces balles ne vous ont pas ramolli le bulbe. Bon, petit examen psychologique, j'imagine, Doc. Sur mon canapé et de répondre à quelques questions, histoire de voir si tout. La fierté en moi-même en ce moment-là. Ouais, t'es un bâtard, Joe, je retiens. T'es un bâtard, Joe. Assoyons-nous, toutes nues. Très bien. Je vais prononcer un mot. Je veux que vous me disiez la première chose qui vous viendra à l'esprit. Salut Kalina, chien. Comment ça va? Un de chance, du coup. Ouais, on est parti sur un de chance. Oh, putain. Ça, c'est horrible, hein. Ça veut dire que ça va être la galère pour se faire des capsules. Et donc, on oublie déjà le fait que je dépouille le strip. C'est mort. Je pourrais jamais jouer au blackjack. Aïe, 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 aïe. Coup de pied. Maison. Cambriolage. Nuit. Trésor. Bandit. Coup de couteau. Lumière. Poutre. Mer. Bouclier humain. Elle était violente, ta dernière. Mer, bouclier humain. Plus qu'on ne voudrait. Et ce n'est pas toujours. C'était clairement le pire. Un en chance, les gars, dans New Vegas. Un en chance dans New Vegas. Bien. Putain. Maintenant, j'ai quelques phrases. Je viens de me rendre compte de ce que c'est. Si elles correspondent à des choses que vous pourriez dire. La première. Le conflit ne correspond pas à ma nature. Pas du tout d'accord. Je n'ai pas l'habitude de me reposer sur les autres. C'est tout à fait d'accord. Je cherche toujours à être le centre de l'attention. Pas spécialement. J'ai du mal à accepter les idées nouvelles.
sans opinion. J'affronte mes problèmes à bras le corps. Tout à fait. C'est presque fini. Si vous jetiez un coup d'œil à ça, dites-moi ce que vous voyez. Le prêtre qui m'a violé quand j'avais 5 ans. Ah, c'est pas dans les propositions. Alors, une fourmi bicéphale pajouras. What the fuck. Une plaie sointante. D'accord. Et celui-là? Ah, moi là, je vois une épée en vrai. Je vois une épée. Une épée et une peau d'ours. Je sais pas vous. Un navire en mer, c'est assez gênant de dire tout ça. C'est vrai que ça ressemble un peu à un vagin, mais... oui, c'est vrai que ça ressemble très fort à un vagin, en fait. Je vois une œuvre d'art inestimable, un objet de l'ère spatiale. Bon, c'est assez gênant. Le dernier. Là, je vois deux prêtres avec des têtes de l'île de Man. C'est bon ou pas? Mouais. On va dire un homme barbu. Eh bien, c'est tout ce qu'elle a écrit. Je n'ai pas d'éléments de comparaison. Quand même étrange, alors ce médecin. Alors, vous devriez regarder les résultats en fait, pour voir si ça vous paraît correct. Déjà, où sont vos diplômes? J'ai envie de voir si vous foutez pas de ma gueule. Ah bah voilà, donc on a du coup une spécialisation arme de corps à corps, crochetage et mains nues. Bah franchement, ça correspond totalement à Lucifer Penny, mais les mains nues, bon, bah, on n'est quand même pas clodo à ce point-là. On va quand même se battre avec des armes. Moi, je suis plutôt chaud de me mettre ça en discours déjà, bien sûr. Le crochetage, je vais éviter. Même si le crochetage, ça pourrait effectivement être intéressant. Discrétion, c'est pour faire les poches, voler, mettre des grenades. Et la probabilité de coup critique, évidemment. Ça pourrait être intéressant d'être discret, ça contrebalancerait du coup notre lacune en coup critique à cause de notre chance. Parce qu'on ferait d'office des dégâts sneaky, quoi, des dégâts de discrétion. Donc c'est vrai que ça pourrait être intéressant de se mettre discrétion, ouais. Comme je commence avec 1 en chance. Explosif, non, pas spécialement, parce que... Bah déjà nique ta mère, mon téléphone. Des explosifs, pas spécialement, parce qu'ils font d'excellents dégâts de base. Les explosifs, c'est plutôt plus tard, ça, vraiment... Mais vrai, pourquoi pas. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. On va vite avoir de la dynamite, avec les poudriers qui vont arriver sur notre tronche et tout ça. C'est vrai que New Vegas, les explosifs, c'est vrai que ça pourrait être intelligent. J'hésite entre arme à feu, explosif et discrétion, du coup. Réparation aussi. Ah oui, la réparation, les gars. Méga important. Oh putain, c'est tellement difficile. Ouais, réparation, en vrai. Il faut penser long terme. La réparation, c'est ultra important. Le corps à corps, on va se mettre assez bien. Ouais, en fait, j'hésite. En fait, je pense qu'à toutes les saloperies qu'on va affronter, les dégâts qu'on va se prendre dans la gueule, les armes à feu... Ouais, en vrai, armes à feu. Armes à feu, corps à corps et discours. On part vraiment sur les forces de base de mon personnage, donc elle est charismatique, elle sait convaincre, et elle est méga balèze avec les armes, et elle est forte. Voilà. Le reste, on va améliorer tranquillement, à notre rythme. On va pouvoir vite être level 10, en vrai. J'ai avant beaucoup d'intelligence... J'ai encore besoin. J'aurais mis discrète, réparation, un discours. Formulaire à remplir. Bah discrétion, bah oui, moi aussi, mais ce n'est qu'une formalité. C'est quand même un jeu où tu vas, au-delà d'être un RPG en très difficile, tu prends méga cher, les dégâts en face ils sont violents. Hein. Donc moi je pense surtout à ça. Je pense surtout à ça, démonter mes ennemis en fait, démonter mes ennemis, et c'est ça qui est compliqué. Alors, on peut choisir deux traits. Les mains pleines, hein. Vos attaques au corps à corps et à main nue causent plus de dégâts, sauf en cas de coup critique où ceux-ci sont réduits. Bah pour le coup, c'est pas mal parce qu'on a que 1 en chance. Donc voilà. Je regarde un petit peu ce qu'on a d'autre. Tir rapide, ça c'est pas mal aussi. Terre dévastée, donc pour les aliens, ouais. Lors de l'utilisation d'armes à feu et à énergie, vous tirez plus rapidement, mais vos tirs sont moins précis. Ouais, non, c'est de la merde. J'aime pas ça. Vous avez peur des espaces confinés. Bah on a bien intentionné. Bien intentionné, ça nous amène plus 5 en troc, médecine, réparation, science et discours. Mais ça nous enlève en armes et énergie, on s'en fout. Ouais, en fait c'est pour être le politique quoi. Armes de corps à corps et mains nues. Ah ça fait chier ça. Claustrophobie, donc là on gagne un point spécial.
lorsque vous êtes à l'extérieur. Ah, je gagne un bonus de plus 1 à vos attributs spéciaux lorsqu'on est à l'extérieur, mais on a un malus de moins 1 quand on est à l'intérieur. Ah ouais. Celui-là, en vrai, il est spécial aussi. Hein. Enfin, c'est le cas de le dire, mais... Ce lance-flamme brûle, bon, ça bat les couilles. Habile, vous êtes habile, mais manquez d'expérience. Vous gagnez plus 5 à toutes les compétences, mais souffrez d'un malus de 10% au gain d'expérience à partir de maintenant. Habile, pourquoi pas? La lacune d'expérience, elle est palliée par le fait que je me suis mis une bonne intelligence, en vrai. Donc, pourquoi pas? Parce que là, on a vraiment un boost de plus 5 à toutes les compétences. Franchement, moi, ça, je suis chaud. Habile, c'est pas dégueulasse. Ouais, bon, ça, c'est pour porter 25 de poids en plus. J'ai beaucoup de force, donc franchement, ça, ça sera pas un problème. Quand on est en dessous de 50% de santé, on va gagner 15% de dégâts en plus. Bon, il y a toujours des petits bugs au niveau de la langue. Hein. Faudra peut-être que je trouve un petit patch français pour traduire tout. Kamikaze, on a plus 10 de points d'action. Et moins de... Ouais, non, moi, c'est ce qui est chiant, c'est qu'il y a beaucoup de malus. Et ils sont violents, les malus. Hein. Main pleine, pourquoi pas. En fait, les deux qui correspondent à mon gameplay et qui n'ont pas de malus, c'est main pleine et habile. Le malus en expérience, on le pallie avec l'intelligence. Et les coups critiques, on s'en bat les couilles parce qu'on a 1 en chance. 0 en chance, du coup. Ouais, à l'intérieur, ça veut dire que j'aurai 0 en chance avec claustrophobie. Ouais, clairement. 4 yeux, quand on porte des lunettes, la perception est augmentée. Sans lunettes, elle est réduite de 2. Ok. Ça aussi, c'est intéressant. Il n'y a pas de malus. Plus 1 en agilité ici, comme on a un petit gabarit. Bon, ça, c'est pas très RP. Terre désolée, c'est toujours sympa, mais bon, voilà. Tir rapide, balèque. Et alors qu'on utilise des armes à énergie et des pistolets, on tire 20% plus lentement avec 20% de plus de précision. C'est un peu l'inverse de tir rapide. Bon, moi, je pense que c'est pas mal, ça. Hein. Habile et les mains pleines. Et en plus, on reste un peu dans le RP. Destructeur né. Probabilité de coup critique accrue de 3%, usure plus rapide de 25%, ça c'est violent. Hein. Donc moi je pense que c'est pas mal, habile et les mains pleines. Salut Aaron, Candy, normalement t'as une perk pour te donner 9 dans tes spéciales. Mais c'est la perk où t'as tout tes spéciales qui augmentent là. Mais il y a un truc vraiment très nul. C'est bien intentionné. Non, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là, c'est pas celle-là, c'est pas celle-là. Ah, ça, ça supprime les addictions. Ah. Ah ouais, les jets, les armes de jet, 30% plus rapide, 25% de portée en plus. Ça, c'est vrai que j'aime bien, mais bon, elles sont déjà assez pétées à toutes. Hein. Ici, Lefto, on bénéficie d'un bonus de plus 2 à toutes les spéciales de 6h du matin à midi, mais un malus de moins 1 de midi à 6h du mat. Ça veut dire qu'on peut jouer que le matin, quoi. Ah, c'est compliqué... Non, moi, je pense qu'on va rester là-dessus. Les mains pleines et habiles. Voilà. Donc, plus 5 points de compétence à toutes les compétences, mais un petit peu d'expérience en moins, c'est pas grave. Les mains pleines, des dégâts de corps à corps et de mains nues pétées. Quoique, on va pas spécialement beaucoup jouer corps à corps et je suis assez balèze en force, donc les mains pleines, non. Je suis désolé, j'arrête pas de changer d'avis, mais j'ai envie de faire les choses bien. c'est important, ce moment-là, en vrai. Vous préférez résoudre les problèmes, donc plus 5... Bah en vrai, si on prend bien intentionné, on se booste troc, médecine, réparation, science, et alors habile, ça contrebalance, puisque ça fait plus 5 partout. Ça veut dire qu'on aura plus 10 en troc, médecine, réparation, science et discours. Et pas de malus, parce que habile va annuler les malus de bien intentionné. Donc si je fais bien intentionné et habile, on n'a pas de malus, et on a plus 5 à plus 10 dans toutes les compétences. On va partir là-dessus.
Ça booste mon discours, ma science, réparation, médecine, troc. Troc, médecine, réparation, discours, on les utilisera à fond. Donc je prouve que c'est pas mal ça. Bah merci, Connor. Habile et bien intentionné. Merci, Noal, pour le follow. On va partir là-dessus. Donc on a un boost de plus 5 minimum à toutes les percs. Et de plus 10 à troc, médecine, réparation, science, discours. Moi je trouve que là, franchement, on est bien. C'est comme si on s'était très déjà bien gagné pas mal je de crois niveau que en ce fait. Sera tout. Venez avec moi. Au niveau de nos compétences. On part là-dessus. Petite sauvegarde évidemment. Parce que j'ai peur. Et on est nu. Voilà, voilà. On ne stream que depuis une heure. Le personnage est fait, mais franchement, je pense qu'on a bien choisi. Lucifer ira-t-elle dans le grand rien ? Ouais, tous les DLC, c'est prévu. On va d'abord rester sur la mission principale, mais les DLC, tout est prévu, les gars. Tenez, ceci est à vous. C'est tout ce que vous aviez sur vous à votre arrivée ici. Merci, Ville Moustachu. Ne m'en veuillez pas, mais j'ai lu ce message. Je cherchais à savoir qui vous êtes. Mais ça ne parle que d'un jeton de platine. Eh bien, si vous repartez, je crois que ceci vous serait utile. Ça s'appelle un Pip-Boy. J'ai grandi dans un de ces abris qu'ils avaient construits avant la guerre. On en avait tous un. Je ne m'en sers plus, mais je crois que ça vous serait utile, après tout ce que vous avez subi. Je sais ce que c'est que de se faire prendre quelque chose. Et mettez ça, histoire de ne pas éblouir les foules avec votre physique. Ça appartenait à ma femme. Je pense qu'elle était à peu près de votre taille, et elle ne l'a presque plus jamais porté après avoir quitté l'abri. Trop tape à l'œil à son goût. Oui d'accord, mais elle est morte, hein. C'est pas une raison pour me toucher dans le sommeil, s'il vous plaît, là. Doc Mitchell, on sait très bien ce que vous avez fait. Alors, vous n'auriez pas dû fouiller dans mes affaires. Je n'ai pas eu vraiment le choix, à vrai dire. Mais je comprends que ça vous blesse pas. Allez voir Sunny Smiles avant de quitter la ville. Elle vous apprendra à vous débrouiller gueule, dans le désert. Vous devriez la trouver au saloon. Les autres gens du saloon devraient pouvoir vous aider, eux aussi. Comme Victor, le bonhomme en désolé métal. Désolé si je vous lis pas tous, hein. Il y a beaucoup de messages. On quoi est nombreux, soit, ouais, donc ça si fait super vous plaisir. Si vous faites blesser dehors, revenez ne me voir. Ne le prenez pas personnellement. Je vous rafistolerai. Et si vous le prenez personnellement, vous allez m'insulter sur Instagram. Vous faire tuer. Alors, mode hardcore, qui est bien sûr non, déjà. Voilà, voilà. Donc la difficulté. La difficulté. On est... Ah bah voilà, on est déjà en très difficile, c'est sublime. Je pense que l'autre game aussi, je l'avais fait en très difficile. Donc c'est ça. On reste en très difficile. Sauvegarde pendant qu'on fait du repos, l'attente, voyage. Donc tout ça en actif, bien sûr. Cinématique à la mort, néant, vue du joueur. Ah, on va une fois mettre en... Ouais, non, cinématique, pourquoi pas. C'est toujours la base. Voilà. Petite sauvegarde rapide. La première d'une très très longue série. Et alors au niveau stuff, on est comment ? État des lieux. Donc au niveau des spéciales, on est bien. Un en chance. Voilà, voilà. Et alors dans nos compétences, regardez, on démarre avec un truc pas dégueu. Hein. On a déjà 46 en discours. On a déjà 46 au discours au level 1. On a 27 en médecine, réparation, science. 29 en troc. 36 en corps à corps et 30 en armes à feu. Donc je pense qu'on a quand même fait un bon choix au niveau de nos traits aussi. Bien intentionné et habile. Les spéciales, on est bien, à part la chance, bien sûr. Et au niveau des objets, qu'est-ce que j'ai ? J'ai déjà pas mal de choses, bien sûr, parce que on a les DLC, donc on part avec du stuff. Normalement, voilà, j'ai une armure légère en métal. Et ici, j'ai une armure renforcée de l'abri 13. Très bien. C'est en anglais, je vais essayer de changer ça pour la prochaine fois. Il y a beaucoup de trucs qui sont en anglais dans ce jeu. Hein. Il y a des éléments qui n'ont pas été bien traduits. Ou pas traduits, ça se trouve. On a 10 lances de jet. Je vais déjà jouer avec ça, je pense. Parce que les lances de jet, c'est quand même très sympathique. On a des jumelles, un coupe-chou, une machette, très sympa, bien sûr. Le 9 mm comme arme à feu. On a un 10 mm ici, en parfait état. Et on a aussi un fusil caravane en parfait état. En vrai, pas dégueulasse du tout. Au niveau des vêtements, du coup, je me suis mis sur ça. Ben, on va se mettre sur l'armure de la truc 13. J'ai pas envie d'utiliser ma meilleure armure dans l'immédiat, en vrai. Au niveau de l'aide, on a des kits de réparation. On a du venin, qui peut être assez pété et utile. La trousse de médecin. On a du super steampack, du steampack. On a des épingles à cheveux.
On a aussi notre gourde de l'abri 13. Et on a des munitions de 9 mm, 10 mm, calibre 20. Et on a même des 40 mm. Ah oui, quand même. Ah, mais c'est un lance-grenade, en fait. Bah non, c'est un fusil caravane. J'ai pas de lance-grenade. J'ai des munitions de lance-grenade, mais j'ai pas de lance-grenade. Enfin bref, on démarre quand même pas mal. Hein. Salut Mitrix. Old World Blues, bien sûr. La mission, Lonesome Road, tout ça, Honest Hearts, tous les DLC. Et voilà les amis, regardez-moi ça, ce beau lopin de terre qu'on va se faire un plaisir de cramer et bouffer. Arsenal des Gunrunners, bien sûr aussi. On a les signaux pour Happy Trails, pour aller aussi vers la ligne de partage. Tout ça, ce sera plus tard. Bon voilà, on va essayer quand même de faire quelques missions, de questions d'avancer un minimum, et d'ici le prochain stream, je désinstallerai tout ce qui déconne. Salut du coup Yannick, Fallout 76, non, Khazar, je refuse de rejouer à ce jeu-là, je n'ai plus de plaisir pour être franc avec toi, je l'ai trop séché. Salut Kuro, comment ça va? Après, même sur PS3, ça buguait pas mal au début. Je t'ai jamais vu autant galérer. Oui, bah après, c'est la reprise des streams, c'est comme ça. On va quand même essayer de faire les quêtes de Good Springs. Ce sera un minimum. Il n'y avait pas un vieux, là? Ah, bah... Vous aussi, vous vous faites attaquer par des grosses boules de paille. Bonjour, je suis Easy Pete. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Pourquoi est-ce qu'on vous appelle Easy Pete? C'est vraiment un nom de débile? Parce que je suis facile à vivre. Je m'occupe des bramines et des grandes cornes. J'étais prospecteur avant de m'installer ici pour fuir. Oh, la peau, les gars, sa peau est méga rouge. C'est dommage, hein, parce que franchement, mon mode, il est beau. C'est dommage qu'il bug autant. Le jeu est très bien maintenant. Bah, il était surtout très bien avant, maintenant, c'est tous des grands malades. Vous savez quelque chose sur les gens qui m'ont attaqué? C'est celui avec le beau costume qui avait l'air de donner les ordres. C'est tout ce que je sais. Les autres gens en ville en savent peut-être plus. En tout cas, un conseil. Si vous le retrouvez un jour, faites attention. Il avait des petits yeux froids comme un serpent. Lui, faites pas confiance. Ok. À quoi servent les grandes cornes? Bon, j'en ai pas grand chose à foutre. On sait déjà qu'il y a Victor, hein, le Lazerotron, j'allais dire. Pas du tout. Le robot Victor, il est déjà là. Il nous a pas encore harcelé, c'est très bien. Et donc vous avez vu les gens qui m'ont tué, enfin essayé de me tuer, mais vous m'avez pas aidé. Gardez la main sur votre arme si vous allez explorer des endroits abandonnés. C'est pas très gentil, ça, monsieur, ça mérite la mort. Il y a de sales bestioles parfois. Est-ce qu'on n'essaierait pas de tuer Easy Pete? Est-ce qu'on peut se mettre en cachet derrière la grosse boule? J'ai un coupe-chou, moi, non? Il a bien vécu, hein. On pourrait. Là, sur la carotide, là. Tchac! Qu'est-ce qu'il y a? T'as vu qu'il m'a attaqué, mais tu m'as pas défendu? T'as un problème? Vas-y, viens, petit connard. Vas-y, viens. Oh, il recule comme s'il avait peur. Bon, allez. T'as de la chance. Avec un peu de chance, le prochain hiver te chopera avec. Sur ce, bonne journée. Dans New Vegas, il y a tellement de personnages importants... Totalement. Au pied, Cheyenne. Non, vous en faites pas. Elle ne mordra que si je lui ordonne. Doc Mitchell a dit que vous pouviez m'apprendre à survivre dans le désert. Ouais, je pourrais vous montrer une ou deux choses. Je crois que vous allez avoir besoin de toute l'aide possible après ce qu'on vous a fait. Retrouvez-moi dehors, derrière le saloon. Ouh, c'est une proposition. Donc regardez là, hein, la Lucifer Pony Elegre. Oh putain, regardez sa gueule! Oh, oh mon dieu! Attendez, c'est dégueulasse! Oh, oh. Regardez-la, c'est un vampire, quoi! C'est un putain de vampire! Oh, elle fait flipper! C'est dégueulasse! Ça va très bien, contente de te voir en stream. Bah merci beaucoup, j'ai été voir le tien il n'y a pas longtemps aussi. C'est chouette, c'est chouette. Il y a plein de nouveaux streamers qui streament sur Fallout, francophone en tout cas, j'ai vu, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Pourquoi on ne repart pas sur Fallout 4 dans le pire des cas? Non.
Franchement, là, je suis chaud de me finir. Ah non, elle fait vraiment peur, hein. Et elle fait encore plus peur de profil. Regardez-moi ça. Ça n'a aucun sens. Ce visage n'a aucun sens. Ce regard est sombre. L'avenir est sombre et plein de terreur, mais... Bonjour. Trop d'étrangers passent par ici ces temps-ci. Habitants de Good Springs. Sans vouloir vous offenser. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace ? Alors, comment on se met au niveau SVAV Ah ouais, on fait pas beaucoup de dégâts. On n'a tellement aucune chance de toucher. C'est incroyable. Ah voilà, là c'est mieux. Merci. Bah, on fera jamais en fait. On fera jamais de coups critiques. On a tellement jamais de coups critiques. Ah ouais, mais je fais des F5 tout le temps dans ce jeu, hein, je vous le dis tout de suite. Jouer à New Vegas sans F5, c'est comme faire un match de foot sans ballon, ça mène à rien, tu vois. Mais comment ça, son visage a aucun sens, elle est belle comme tout. Ben, chacun ses goûts. Chacun ses goûts. On va pas essayer de l'assassiner, du coup, parce que manifestement, je ne fais pas de dégâts. Ça, c'est les toilettes, c'est par là. Elle va nous entraîner au tir, la petite. On va quand même le faire, parce que ça nous donne de l'XP, si je me souviens bien, et une arme. Bon. Vous voyez ces bouteilles de salsepin ? Voilà, elle nous a donné un fusil à vermine. Paye sur la clôture ? Prenez ça et essayez d'en toucher quelques-unes. Reçu 5 sur 5, Sunny Smiles. C'est l'idée. Essayez de vous accroupir et de rester immobile. Mais vas-y là, putain. J'en ai fait tomber deux avec une balle. Mais j'imagine que vous n'avez pas fait tout ce chemin jusqu'à moi pour affronter des bouteilles de salsepin pareilles. Écoutez, il faut que j'éloigne des geckos de nos puits. Ça les attire, ces saletés. Si vous venez avec moi. Allez, je marche. Je cours même. Suivez-moi. C'est pas très loin, au sud-est. Bon, let's go. Si tu m'en veux pas, je vais quand même changer d'arme, parce que c'est de la merde. Ah, quoique, ça a une bonne portée, le fusil à vermine. Ouais, bon, on va se mettre sur le 10 mm. Une autre sauvegarde rapide. Et alors, petit chien ? On court après son maître. Tu serais bien embroché sur une sur un petit feu là comme ça. Non, je dis ça pour déconner. J'ai rien à contre votre chien. Mais... Regardez-moi ça. Jout Spring. Ville si prospère et tranquille. Accueille le mal en personne. Il y a tellement une différence entre Sunny Smile et moi. Et Lucie. C'est monstrueux. On est tellement pâle, putain. On dirait qu'on n'a jamais pris le soleil de notre vie. Je me rappelle, le chien crève en 2-2 si tu fais pas gaffe. Mais c'est pas grave, ça donnera de la nourriture. On peut dire que c'est une Cheyenne de merde. Pardon. Issou. Elle est où? Ils courent bizarrement, les gens. Elle est tellement belle. Elle est jolie, oui, mais après, c'est le mode hein, qui fait que les persos sont assez jolis. Vous habituez pas trop. Vous entendez ça ? Sur la crête, derrière moi. Ce sont les geckos dont il faut se débarrasser. Oh, les geckos, ils sont chiants. Ce sont de mais leur viande est bien. Monstres. Je crois bien leur que ce sont les morsures de geckos qui donnent le plus de boulot à Doc Mitchell. Étant donné voyons que j'ai pas de si chance et qu'on va pas dépouiller les casinos, si il faut que je fasse de bruit, vendre tout ce que je trouve, les gars. Pour qu'on on se fasse aura plus de chances de les toucher à un endroit vital. Jout Spring, exactement. Je suis accroupi. Je te suis. C'est bon. Allez-y. Mais j'ai peur. Pourquoi toi t'y vas pas, toi ? Qu'est-ce que c'est ? Bon, là j'ai rien sur le SVAV. Ok. I got few geckos in front of me. Bonjour, petit animal. Allez, venez. Oh putain, ça court vite, ces merdes. Et voilà. Et le headshot. Et voilà, mais quelle performance. On est là, les gars. On est là. Imagine combattre un griffe mort dans cette game. Ça va être délicat. Alors, est-ce qu'ils ont de la peau? Mais oui, voilà. Bon, 10 capsules, c'est pas grand-chose, mais quand on a un en chance, c'est beaucoup. Les œufs, ça vaut aussi 10 capsules. On prend.
On prend tout en fait, hein. C'est aussi simple que ça. On va faire beaucoup de ventes en vrai. Ah ouais, c'est de l'eau pure ici. C'est de l'eau pure. Oh là là, c'est tellement rare. De l'eau pure. Et voilà, mission accomplie. Et quoi maintenant? Vous voyez, ça commence à venir. Il y a deux autres puits à nettoyer. Si vous voulez, vous pouvez venir. Ah ouais, le Casador, franchement, j'ai hâte d'affronter mes premiers Casador. Vas-y, je viens avec toi. C'est bien de faire le didacticiel en vrai, ça donne de l'XP. Surtout à deux. Suivez-moi. Et quand on est en très difficile et qu'on commence avec un en chance, on prend tout ce qui se présente à nous. Headshot sans SVAV, quelle classe. Ah, mais ça, les gars, je reste un ancien platine sur Rainbow Six Siege. Hein, le skill est là. Oh my god! In front of us! Enemies in front of us! Hop! Allez, bim! J'en ai eu deux. Mais c'est un bon chien, ça! Ou pardon! Oh, c'est parti tout seul, dis donc. C'est fou, hein. Ah, c'est vrai qu'elle a pas beaucoup de vie. En vrai, elle a vraiment pas beaucoup de vie. Bon, on prend tout. Avec tout ce qu'on ramasse là, en vrai, on va déjà pouvoir se faire 50 capsules. Et 50 capsules, c'est 50 capsules. Ne négligeons pas l'importance pécuniaire, même dans un post-apocalyptique. Elle est où l'autre connasse? C'est pas possible ça! Elle a disparu? Ah non, elle est partie par là, autant pour moi. C'est le chien qui m'a induit en erreur. Qu'est-ce qu'il faut faire ici? Il y a d'autres ennemis dans la zone, je les ai vus. Allez, vite, 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 vite. In front of us. J'ai des signaux ennemis, là. Je me suis mis en hauteur. Et alors, on est nul, on est en train de mourir. Attaque furtive critique contre le gecko. Et voilà le premier coup critique avec un en chance. Et c'est là que je dis aux trous du cul qui ont voté à me mettre un en chance. Et voilà. Et voilà maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Il est où le 1 en chance, là? Non, vraiment, pardon, je pète un peu mon câble. Et voilà, premier petit SVAV critical fufu qu'on adore sur un gecko qui n'avait rien demandé. En vrai, c'est pas super con de se mettre ici, on prend aucun dégât et on fait des dégâts de malade. Merci Hugo pour le subprime, merci beaucoup. Surtout à Joe, ouais. Surtout à Joe. Ah, pardon. Tu peux me parler quand je suis au-dessus, hein, il faut juste un peu crier. T'es pas obligé de m'attendre. Oh, bon sang, il ne se passe pas un jour sans que je dise aux gens de ne pas venir ici seuls. Certaines personnes refusent de me croire, mais voilà le résultat. Enfin, ça fait partie de la vie dans le coin. Autant l'accepter. Mais vous avez tenu votre promesse en restant avec moi. Voilà ma part du marché. Il y a autre chose que je voulais vous montrer. Ouh, 50 capsules. Je me suis dit que je pourrais vous apprendre à utiliser ce qu'on trouve dans la nature pour se préparer ou fabriquer des choses utiles. Ça vous dit? Bah, allons-y, hein. Très bien. Pour commencer, voilà, il faut des voilà, on se chope un peu d'XP. Des racines de xandre et une fleur et de broc. Et c'est important pour nos marqueurs de quête, hein. C'était toute conne quête à faire vite, là. Je sais qu'il y a des fleurs de broc au cimetière. Et je pense qu'on peut trouver des racines de xandre. Tu peux toujours pas plier les casinos, donc le cible reste fauché. Rapportez-moi ça et on s'y mettra. Je retiens ce que tu dis, Joe. Tout est dans ma tête. Et... Belle boîte, celle-là, maintenant. Oh! Eh bien écoutez, tenue de journalier. Mais si je viens tous les mois, je peux pas. Il me faut une tenue de mensuelle. Allez, super. Décidément, ça n'a pas l'air d'aller. C'est toi qui me donnes des cours? Par pitié, quoi. C'est l'hôpital qui se fout de la charité ici. Tu te rends compte du fait que t'es en train de boiter et que t'avances à 2 km/h? Tout va bien? Bah oui, moi oui. Mais vous? À la prochaine. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe enfin, madame? Bon, ici on a des petites caisses. Vide, vide. Ah. Clé anglaise, comme miracle, on prend. Tout ça aussi, ça vaut de la thune. Et donc je vais finir ma phrase, Joe. Je disais que tu verras quand je serai riche à dizaines de milliers de capsules. Rira bien qui rira le fermier. Comme dit le proverbe.
abrège ses souffrances. Bah, ça va me mettre en délicate position vis-à-vis de Good Springs. Moi, j'aimerais bien assassiner son chien, mais... Mais bon. Gecko ! Gecko, Gecko ! Gecko ! Gecko ! Gecko ! Gecko ! Come on the ear ! Pardon, je parle allemand quand je pourchasse quelque chose en manière générale. C'est une vieille habitude. Ah oui, merde. Bah non, moi j'ai rien à modifier. Hein. Touché. Allez, viens. C'est bien, petit animal. Voilà. Oh, pardon. Je pensais que je l'avais fini. Pas du tout. On prend tout. Bah, pour le coup, là, mon jeu a l'air plutôt stabilisé. C'est bizarre qu'il ait bugué autant au début. Peut-être que c'était parce qu'on sortait, j'en sais rien. Donc. Tout va bien ? Oui, mais tu t'es arrêté. Finissons-en d'abord avec ça, d'accord ? Mais finir avec quoi, Pauline ? C'est quoi mon autre objectif, là, sur la map, en fait ? Trouver une fleur de broc et une racine de Xandre. Ah, pardon, j'avais pas du tout capté qu'il fallait que je cherche des trucs. Du broc et du Xandre. Oh, qu'est-ce que c'est que ça, là-bas ? C'est des potes de conserve. Je suis déjà en train de me barrer à l'autre bout du pays. On va tomber sur des poudriers. Il y en a qui le font, hein, et qui évitent Good Springs. J'ai déjà vu des gens faire des games où ils se cassent directement de Good Springs, ils s'en battent les couilles de l'arrivée des poudriers. On peut le faire, hein. On peut le faire, mais voilà. C'est pour entamer la quête principale, avec un meilleur stuff, en fait. Alors, des bonnes racines de Xandre. Où est-ce que je vais trouver ça? Les racines de Xandre. Ah, mais les racines de Xandre, elles sont pas à Good Springs. Bah ouais, c'est ça. Bon, on va se retéper à Good Springs. Xandre près de l'école. Ouais, c'est ça. On attend tous de voir ça, Candy Goldo. Mais bien sûr, mais tu verras, Joe. Tu seras surpris. C'est juste un doigt de pied gonflé qui est là, t'inquiète. Ouais, mais bon. C'est un peu... C'est une professeure pas super, super expérimentée, quoi. C'est comme travailler avec un plombier qui a des clous dans le pied. Le jeu ne répond pas. Oh putain, décidément. C'est vraiment les écrans de chargement. Ouais, les écrans de chargement. Mais là, je pense que ça va fonctionner. Mais je crois que c'est ça, en fait. Dès qu'il se re-TP, qu'on est en extérieur, il comprend pas grand-chose à sa vie. Je stabiliserai ça pour la prochaine fois, en vrai. C'est important. Mais c'est vrai que le jeu de base, le jeu Vanilla, Fallout New Vegas, ça va, il est stable, mais parfois tu peux te taper des bugs à répétition. Là, j'attends, en vrai, parce que on ne sait jamais. Mais j'ai bien l'impression qu'on va se faire un petit Alt-F4. Voilà. Répond toujours pas. Hop. C'est parti. On relance. Excuse. C'est parce que t'as un en chance. Le jeu, il bug parce que j'ai un en chance. J'avoue, c'est peut-être ça. C'est à ça que ça sert, la chance, dans New Vegas. C'est à ne pas faire bugger ton jeu. C'est tellement ça. Si seulement. Si seulement. Le jeu se lance. Oula. Ah, ça va. J'ai eu peur. Et l'école aussi, il faudra qu'on la nettoie. Et à côté de l'école, il y a l'autre connard de... De Victor. Bon, je vais éviter de me TP, on va y aller à pied, c'est pas grave. Voilà. On retourne à Good Springs. Trouver une fleur de broc et une racine de Xandre. Mais normalement, on est censé en trouver partout, ces trucs-là. Pourquoi c'est si compliqué? Faut d'office retourner à Good Springs. C'est ta faute, Joe, tout est ta faute. Ici, dans ce stream, tout ce qui se passe de mal est ta faute.
Mais je suis fier d'avoir fait un Critical CC SVAV. Fufu. Non, même pas SVAV. Critical CC Fufu. Sur un gecko. C'était magnifique. C'était sublime. On a des ennemis là. Qu'est-ce à dire que ceci? C'est des trucs qui donnent un point d'XP ça. Et je vais encore dépenser 150 putains de munitions. Mais c'est une blague? Hein? On va tester le SVAV. Eh ben super. Voilà, voilà. Est-ce qu'ils ont des trucs qui valent quelque chose? Oh, les œufs de menthe, ça vaut plus cher que les œufs de gecko. Qui l'eût cru? Voilà, elles sont là, les petites racines d'Oxandre. Bon, moi, je les prends toutes, hein, parce que... Voilà, voilà. Et alors, il nous reste la fleur de broc. Non, en vrai, ça va. Je m'attendais à beaucoup de bugs, donc je suis pas vraiment surpris. Ça me casse pas la hype. J'espère juste que donc les prochains streams seront plus stables. C'est juste ça. Mais bon. En vrai, voilà, on reprend tout doucement. Hein. On reprend tout doucement. Bon, là, je vais où, moi? Oh, putain, il y en a de l'autre côté de la ville. Le Victor, il est là! Je pourrais déjà l'attaquer. Je pourrais déjà l'assassiner. On va lui parler, comme ça c'est fait. On n'en parle plus. Salut, partner! Oh, vous avez l'air en bonne forme. Merci de m'avoir fait sortir de cette tombe. De rien! Je suis toujours ravi d'aider un étranger dans la difficulté. Non, on peut pas le manger. J'ai déjà essayé. Je peux pas dire, non. Ouais, peut-être que les braves gens de la ville vous seront plus utiles que moi pour ça. Ouais, comme par hasard, il peut rien nous dire. Comment tu m'as trouvé? Je me promenais quand j'ai entendu ce vacarme au vieux cimetière. J'ai vu que ça sentait mauvais. Alors je suis resté à l'écart. Quand ils sont partis, j'ai remué la terre pour voir si vous bougiez encore. Comme c'était le cas, j'ai porté votre carcasse jusque chez le doc. Mm-hmm. Comment t'es arrivé ici? Je suis arrivé en ville il y a quoi? 10, 15 ans. Avant ça, je me rappelle plus bien. Curieux ça, tiens. En tout cas, c'est une bonne petite ville bien tranquille. Et je connais des endroits bien pires où poser sa selle. Ok. J'avais jamais vu un robot comme toi. Je suis un Securitron, modèle de sécurité Robco 2060B. Si vous voyez un de mes collègues, saluez-le de la part de Victor. Ok, ok. À droite. Bon, il reste très flou, il ne révèle pas grand-chose. On va justement aller au cimetière, enfin vers le cimetière en tout cas. Ah, il y a un petit rat de scorpion. Ah, dommage. Bon, je suis en train de gaspiller toutes mes balles comme un gros connard. Je vais mettre sur le petit fusil à vermine qu'elle m'a donné. Petit rat de scorpion, je te vois. Ah oui, on va reprendre aussi la chasse au rat de scorpion albinos dans ce jeu. Ah, mais regardez, le rat de scorpion bugué. Ah non, il est plus bugué. Ouh. C'est fini pour vous. Eh ben dis donc, Victor, merci, tu m'as sauvé. On monte. Les compas Securitron ont bien évolué. C'est vrai. Mais ça, c'est vraiment un modèle propre à Robco et à son armée. Tu la vois, la mouche? Et merde. Ok, touché. Touché. Putain, il leur faut beaucoup de balles, hein. Putain, c'est vraiment des saloperies. C'est incroyable. Tu veux pas mourir? Il y en a partout. Ma précision SVAV d'ici. Oh, bah en vrai, ça va encore. En vrai, ça va encore. Mais qu'est-ce que ça bouge vite? Mais viens pas dire qu'elle est pas morte. Mais putain, c'est incroyable. Ça balance des patates.
Allez, encore une. La deuxième est pas passée. Tu te fous de moi. Et au jugé, y a rien qui passe. Bon, en vrai, au SVAV, ça va encore, mais bizarrement, on touche pas grand chose. Bon, évidemment, faut viser les ailes, hein. C'est des créatures volantes. Pour les foutre à terre, mais... Voilà. Et voilà. Comme ça, ça arrête de me casser les couilles. Hop, petite sauvegarde. Et alors ici, on a les fleurs de broc. Et alors aussi, on peut déterrer les tombes, mais il nous faut des pelles. On était ici, hein, nous? On était là, nous? Enfin, bref. Ouais, je crois qu'on était là parce qu'on a la ville derrière. Ouais, c'est ça. On était là, nous. Ok, on peut revenir vers Sunny Smiles. Regardez-moi ça. En vrai, je vais regretter mes mods, hein, parce que ça rend le jeu assez joli. On a une vision vraiment assez lointaine. Des graphismes un peu plus propres. Et en vrai, je suis à peine à 10% de mon processeur et à 20% de ma carte graphique. Donc en vrai... C'est juste que ce jeu est vraiment méga instable. Et si tu veux bugger un jeu, si tu veux modder un jeu qui est instable, bah, tu le rends encore plus instable. Les mouches bouffies, elles te bombardent de leur progéniture. Eh oui. Mais elles m'ont fait aucun dégât. J'ai tout récupéré. J'ai aussi un bon avantage, hein, c'est la gourde de la brique 13. Donc on va se régène. Donc en vrai, on est bien pour jouer en très difficile. C'est plus facile de jouer avec les DLC que vraiment full vanilla. Mais bon, pas encore de traces des poudriers. Les poudriers, je serais assez chaud de les faire dès le début. Parce qu'en général, les poudriers, ils n'interviennent pas vraiment dans la mission principale, dans le sens où ils sont pas en relation avec les grands du pays. Ils sont juste en guerre contre la RNC, les poudriers, et en guerre contre plus ou moins tout le monde. Mais ils manqueront à personne, les poudriers, on est d'accord là-dessus. Donc je suis peut-être pour aller rendre visite aux poudriers de manière assez rapide. Pour leur défoncer la gueule. Mais pour aussi... les rejoindre. Et les trahir. On va essayer de les faire. Les poudriers, en vrai, je les sous-estime tout le temps. Alors qu'ils ont beaucoup d'explosifs, ils ont du bon stuff. Ils sont pas forcément à négliger. Hop. Et voilà, je suis là. Elle est toujours en train de boiter. Montrez-moi ce que vous avez. Ouais, ça fera l'affaire. Parfait. Très bien. On va préparer quelque chose que les gens qui voyagent appellent la poudre de guérison. Wow. Allez jusqu'à ce feu de camp et essayez. En vrai, c'est vrai que ça pourrait être très intéressant de se crafter de la poudre de guérison. Donc, fleur de broc plus racine de xandre, poudre de guérison. Ça diminue la perception, c'est juste ça qui est chiant. Mais ça donne plus 1 de PV pendant 18 secondes. Donc, concrètement, plus 18 PV. On va s'en faire 2. Voilà. Hey, pas mal! Vous voyez? Pour réussir une recette, il suffit d'avoir les ingrédients et de connaître la méthode. Parfois, ce n'est pas d'un feu dont vous aurez besoin. Par exemple, si vous devez vous occuper de vos armes ou de vos munitions. Ce qui compte, c'est que l'idée reste la même. Il suffit de trouver le bon endroit. Un établi, de l'outillage de rechargement, n'importe quoi. Voilà, j'espère que ça suffira à vous mettre en selle. Je vais repartir. J'ai jamais été allié des poudriers, moi non plus. J'espère que j'ai rien raté de bon au jukebox. Cheyenne ne me le pardonnerait jamais. Mais donc le but... Dites! Rendez-moi un service. Trudy, la tenancière du prospector. C'est un peu notre maman à tous. Elle aime bien voir les nouveaux arrivants. Elle m'en voudra si je ne vous demande pas d'aller lui dire bonjour. Pas de soucis. On va essayer de l'assassiner. Je change vraiment de discours. Avec une lance de jet. On va assassiner Sunny Smiles avec une lance de jet. Il y a juste son putain de chien là qui me casse les couilles. Allez, va-t'en. Voilà. Hop, elle est pas mal loin. Oui! Attaque furtive critique. Le karma a diminué et ils savent pas que c'est moi. Ils savent pas que c'est moi. Et le chien,
Le chien passe à côté du cadavre en mode bat les couilles. Salut dragon. Go l'assassiner, la manger et kidnapper son chien. Mais au final, il n'y a que elle qui est morte. Et ma réputation avec Good Springs. Les gars, la réputation, le meilleur truc du jeu, la réputation. C'est ça qu'on aime. Hop. Ah, on n'a pas encore la réputation. C'est génial. C'est génial. On n'a pas encore la réputation. On a fait tout ce qu'on devait faire avec elle. Donc on l'a assassinée avant même qu'on ait la réputation, les gars. C'est ça qui est bon. Sunny Smiles, merci, bonsoir. On se prend de la 5.56, une armure. Ah, c'est dommage qu'elle ait pas un fusil. Et alors, on la garde, bien sûr. Hein, on va la garder. On va la garder à bouffer. Normalement, son cadavre ne devrait pas disparaître parce que c'est un personnage important. Avec un nom. On va la mettre à fumer pendant quelques jours et on reviendra. Voilà, voilà. Première victime de Lucifer Penny. C'est cette chère petite Sunny Smiles. On reviendra pour elle aussi. Et alors le chien, regardez. Le chien part seul à la conquête du monde. Après la perte de son maître, Cheyenne va gagner en maturité et se faire des capsules grâce au Blackjack. On vient de libérer un chien de son maître aussi. Nous sommes un libérateur, on a une espèce de WWF ou Sea Shepherd de Fallout au final. Ce que j'ai fait, c'est une bonne chose. On a libéré un chien de l'esclavagisme, tout simplement. Oser dire que c'est horrible ce que j'ai fait? Non, monsieur. Non, madame. J'ai libéré un animal de la main horrible qu'est celle de l'humanité. T'as qu'à dire que c'est un gecko qui l'a tué. Mais bien sûr, bah à la base, elle était déjà mal en point. Hein. Elle avait une guibole qui traînait. La liberté des Wawa, exactement. Pourquoi le jeu est beau? Oui, il y a des modes. Pourquoi le jeu est beau? Regardez ce coucher de soleil. Regardez ces couleurs. Wow. Regardez ce bleu. C'est tellement bleu. Bon, on va aller se présenter à la tenancière du saloon, au prospecteur. C'est juste devant. Mais est-ce que quand on va avoir la réputation, on va être ennemi? Ça aussi, c'est la question. Donc ma dernière sauvegarde auto, c'est... ouais, avant la mission des plantes. Donc voilà, bon, j'ai une sauvegarde si jamais il faut revenir. C'est ça en fait la question. Est-ce qu'on va directement être ennemi de Good Springs parce que j'ai buté Sunny Smiles? On va voir. Hein. Bonjour. Salut. Pas de nouvelles? Bonne nouvelle, hein. Vous savez quelque chose sur Victor? La machine? Il est inoffensif, quoi qu'on dise Trudy. Ok. Bon, on va aller voir Trudy à l'intérieur. J'espère qu'ils vont pas m'attaquer à vue. Sunny Smiles n'est pas revenu, où est-elle? J'en ai marre d'être poli. Si vous ne nous remettez pas Ringo, mes amis et moi, on va raser cette ville. J'ai été clair. On va garder ça en tête. Maintenant, si vous n'avez rien à acheter, dehors. Mais c'est quoi votre problème? Oh putain, il s'est arrêté devant nous. Et quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ça vous gêne? Je suis moche, c'est ça? Salaud. Bonjour. Eh bien, vous avez fait parler de vous. Ravi de vous rencontrer enfin. J'ai fait parler Bienvenue de moi. Bienvenue au Prospector. Qu'est-ce que... pourquoi j'ai... qu'est-ce qui se passe? On dirait que notre petite ville s'est retrouvée entraînée dans quelque chose que nous voulions tous éviter. Il y a une semaine, un marchand, Ringo, est arrivé. Il a dit qu'il avait survécu à une attaque. Qu'il était poursuivi et qu'il cherchait un à se cacher. Contact. On s'est dit qu'il était juste sous le choc et on l'a installé quelque part. On ne s'attendait pas à voir débouler des gens qu'il cherchait. Où est Ringo? Il se cache dans la station-service abandonnée sur la colline. D'accord, en tout cas, elle balance tout. Hein. Pourquoi ne pas tuer Jacob? On n'en parlerait plus. Et puis voilà, hasta la vista. Voilà. Un meurtre? C'est pas notre genre, même si Cobb est une ordure. Il peut fulminer et menacer autant qu'il veut. En tout cas, sur le chemin, j'ai vu le cadavre de ce Sunny Smile. C'est pas moi.
Mais manifestement, dans la ville, il y a quelqu'un qui, apparemment, aime tuer les gens. Mais c'est pas moi. Mais apparemment... voilà. Tout simplement. Bon, il y a deux moyens de faire les choses. On peut déjà s'allier au poudrier. On va aller parler à Jacob. On va aller parler à Jacob. Très bien. On va aussi aller parler à Ringo. Et je vais lui vendre mes merdes aussi. Tant qu'on y est, comme ça, ça dégage. Elle a 239 capsules, c'est sublime. Donc le... Ah mais non, c'est pas ici. Voilà. Les glandes à venin, les pattes de... les œufs, voilà. La peau de gecko, la totalité. Voilà, 69 capsules, comme par hasard. Bien sûr, ce chiffre. C'est bon, on peut se casser. Merci. Et donc, de quoi il vous parlait ? Un ex-prisonnier. Il a dit qu'il s'appelait Cobb. Sa bande se fait appeler les Poudriers. Il y en a plein comme lui dans le coin. Hmm. J'essaie de retrouver les gens qui m'ont attaqué, vous savez quelque chose ? À part que c'était des parasites qui voulaient se faire offrir des verres par la maison, non ? Ah. Mais j'ai quand même réussi à les faire payer. Naturellement, un des grands cannes a fait tomber ma radio par accident, et depuis elle ne marche plus. Mes attaquants ont-ils dit où ils allaient ? Ils se sont disputés à ce sujet, mais le type aux vêtements à carreaux essayait de les obliger à se taire. J'ai cru entendre qu'ils étaient venus du nord par Quarry Junction. Ouais. Si c'était le cas, je comprends qu'ils n'aient pas eu envie d'y retourner. Tu m'étonnes. Tout le secteur grouille de bestioles qui se mettent en rogne quand on leur tire dessus. Quarry Junction, on les sait très bien ce que ça veut cette dire. Les marchands évitent cette portion de l'I-15 comme si elle était radioactive. Salut Gizmo. C'est peut-être le cas d'ailleurs. Où sont-ils allés ? J'ai pas tout entendu, mais le chef a parlé du strip. Quand on veut aller là-bas en évitant la 15, il faut partir à l'est et remonter la 93. Très bien, très bien. Vous voulez que je jette un œil à votre radio cassée ? Allez-y. L'extérieur, ça va. C'est dedans qu'elle est cassée. Il y aurait quelques capsules à gagner. J'aime bien entendre ce qui se passe dans le monde, et ce monsieur New Vegas a l'air d'être un gentleman. Ok, est-ce que Good Springs a beaucoup de visiteurs ? On s'en fout, il se passe des choses intéressantes dans le reste des terres dévastées ? Oh, toujours. Mais la plus grosse affaire, c'est la bagarre pour le barrage qui s'annonce entre la RNC et la Légion. Et ouais, bien sûr. Tout le monde est au courant, c'est la baston, c'est la guerre. Que pouvez-vous me dire à propos de la Légion ? Rien que des négriers, des meurtriers et j'en passe. Cool. Ils se déguisent en soldats romains, alors ils sont c'est assez faciles ça. À repérer. On dit que la Légion est bien plus nombreuse que les forces de la RNC et que c'est un coup de chance si César n'a pas encore déboulé ici. Ok, bon, j'ai assez d'informations. Danse dehors. Apparemment, voilà. Elle nous a donné la radio cassée. On peut la réparer avec un établi ou quoi ? Mais j'avais un écran noir, donc c'est vraiment le chargement. Il y a un problème de chargement. Enfin bref, faut que je re-rentre. Merci Muertibal pour le resub, merci beaucoup. Alors il faut 20 en réparation, bah je peux la réparer. Et voilà madame. Une petite soif ? Je peux ranger ça. J'ai réparé ça. Ta radio, espèce de connasse. Pardon. Oui, je l'ai entendu se remettre en marche un petit peu violent. Séance de bricolage. Tenez, voilà quelques capsules. Merci. Pas du tout. Je n'ai aucune idée du prix de ce genre de réparation. Tenez, voilà quelques capsules de plus. Ça voilà, devrait être assez. C'est ça qu'on aime. Si vous en dépensiez quelques-unes dans mon saloon. Non, sans façon. Merci, au revoir. Prudence dehors. Pardon. Je reviendrai bientôt. Je reviendrai. On va aller dire coucou à Ringo Starr. Et voilà, là, tu vois, aucun problème, tu vois, pour sortir. C'est vraiment, les gars... du foutage de gueule à l'état pur. La nuit tombe sur les terres dévastées du Mojave. Regardez-moi comme c'est beau la nuit, j'aime bien. Et là-bas la lune, qui est à trois quarts pleine. Donc il est dans la station service là-bas, Ringo. On va d'abord parler à Jacob en vrai. J'ai envie de d'abord parler à Jacob. Parce que je pense que lui et moi, on pourrait potentiellement s'entendre sur, comment dire, un accord
d'une personne A à une personne B qui pourrait potentiellement sustenter les deux parties. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qu'il y a ? Déjà, tu me parles mieux avant que je te défonce la gueule, ok ? Et sinon, quoi ? Quid de Ringo ? C'est un marchand qui a préféré tirer au lieu de payer son droit de passage sur notre territoire. Il se cache quelque part en ville. Ça donnerait une leçon à ces crétins si Méga et moi, on les plombait après avoir buté Ringo. Et comment dire, déjà c'est quoi votre territoire? Ça c'est une bonne question, j'ai jamais vraiment su. Je pense que j'en ai même pas parlé dans la vidéo lore sur les poudriers. Maintenant oui. Les gars et moi, on s'est mutinés à la prison à l'est d'ici. Maintenant, c'est nous qui tirons les ficelles. Ouais, bah c'est juste ça en fait, c'est la prison, on est d'accord. Bon du coup on a l'emplacement de la prison. Le reste on s'en fout. Donc, et si je t'aidais à prendre Good Springs? Pourquoi faire? Il n'y a que des fermiers et des éleveurs ici. Donc pas grand chose à voler. Si vous tenez la ville, ils devront travailler pour vous. Il y a de l'eau pure, il y a des gens à manger, il y a des commerces, et voilà. Et ouais, le Mercob, ça sonne bien. Et diriger une ville, ça me donnerait plus de poids vis-à-vis des gars de la prison. Mais une chose à la fois. Régler l'affaire avec Ringo et coller lui une balle dans la tête pendant que je rassemble mes gars et que je leur explique. T'arrives pas à trouver Ringo tout seul, t'es nul ? Il y a trop d'endroits où se cacher par ici. Il me verrait arriver et bam ! Je serais mort. Mais il ne vous connaît pas. Il ne tirera probablement pas en vous voyant. Ouais, en gros, t'es une merde, quoi. Allez, je vais le tuer pour toi parce que t'es incapable. Pendant ce temps-là, j'attendrai mes amis ici. Venez nous rejoindre quand ce sera fait. T'inquiète même pas. La question sera vite répondue. Bon, eh ben, on va trahir Trudy et Good Springs pour rejoindre ses chers amis des poudriers. N'est-ce pas ? Ouais. Let's go. Je vais faire une petite sauvegarde. Pareil, hein, on va en faire beaucoup. Parce qu'on ne sait jamais. Voilà, let's go. Donc il est dans la station service de l'autre côté de la ville. Le jeu est très sombre, hein, de nuit, j'en conviens. Moi, je vois pas mal parce que j'ai un bon écran qui... Un bon écran. On le tue avec une balle ou avec une lance de jet ? Ringo. Moi, je suis chaud de le tuer en fufu avec une lance de jet. Mais bon. Chacun son truc. Regardez, là, il a tellement d'électricité, Doc Mitchell. C'est vraiment une putain de ville de riches, quoi. C'est incroyable. Les médecins dans Fallout, ils sont pétés de thunes. Comme dans la vraie vie. Moi, je dis, on génocide Good Springs, puis les poudriers, et hop, nourriture. C'est prévu, mais il faut faire les choses bien. D'abord, profiter... utiliser les gens et ensuite les assassiner. C'est très important, il y a un processus. On fait pas les choses comme ça ici. N'approchez pas. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous me voulez? Je ne suis pas un ennemi, si c'est ce que vous voulez savoir. Désolé pour le flingue. Vous m'avez surpris, c'est tout. Je peux comprendre. On est parti du mauvais pied. Et si on recommençait en faisant une partie de caravane, vous savez y jouer? Sonny Smiles aussi est parti du mauvais pied. Parce qu'elle boite et elle est morte. Enfin bref, vous saviez qu'un type appelé Ringo vous cherchait? Pas du tout. Oh là là, il y a gros problème là dans le script. C'est lui Ringo. À moins que un autre Ringo te cherche. Ouais, mais ça a pas l'air d'être un dur. Il paraît qu'il a peur que je lui tire dessus depuis une fenêtre. Et il a pas tort. Ça deviendra plus grave quand ses amis arriveront. Je pourrais pas tous les descendre. Donc tout le monde s'appelle Ringo, en fait, dans ce jeu. C'est ça. Pourquoi les poudriers en ont après vous? Ma caravane rentrait de Californie. On rejoignait le dépôt de New Vegas quand on a été attaqué. Ils ont même pas fait de sommation avant de tirer. On s'est bien battu, mais ils étaient trop nombreux. J'ai tué plusieurs bandits avant de m'enfuir. Alors j'imagine que leurs amis veulent les venger. Je comprends, t'inquiète même pas. J'ai décidé de vous tuer à la place de Jacob. C'est violent, ça. Il veut jouer au caravane? J'ai oublié les règles du caravane. Ou ça va me revenir comme ça, mais... Vas-y. Ça se joue à deux, et le gagnant remporte tout le pot.
On constitue une caravane avec les cartes de son propre jeu. L'objectif est de créer des caravanes battant celles de l'adversaire. Alors c'est plus un jeu de stratégie que de hasard. Si c'est de la stratégie, c'est pour ça qu'on n'y joue pas trop dans les casinos. C'est trop lent. Et surtout, la maison n'a rien à y gagner. Ça veut peut-être dire qu'il faut pas de chance. Prenez cet télédisque. Il explique les règles en détail. Il vous faudra aussi un jeu. Alors prenez l'un des miens, j'en ai toujours plusieurs. Alors, ça vous dit de faire une partie ? Bon allez, on va en faire une et après je te tue. Hein. Ne vous en faites pas, je ne suis pas un joueur très doué. Bah alors ça va aller vite. Ouh là là, c'est déjà très compliqué. Ringo 53, mise actuelle, fond auto, d'accord. Bon, je vais faire une petite mise, vraiment pour... je vais faire... voilà, je mets 5. Voilà. J'accepte. Ok. On a 50 cartes au total. Il faut juste faire plus de chiffres, quoi, en gros. C'est tout, non ? Ou il faut dépasser ? C'est du pur hasard, en fait, ici, j'imagine. J'espère pas qu'il y a de la chance qui est en jeu ici, parce que sinon, je suis déjà baisé, j'ai 1 en chance. Si j'ajoute, ça fait quoi ? Ah, ils sont peut-être sur les touches américaines. Ok. 4-4. Si je fais Q. Attendez, Q. Oh, oh les gars, je joue tellement... Je comprends rien à ce que je fais. Ah ouais, d'accord, t'as une main et tu dois le battre, quoi, c'est tout. Donc là, si par exemple je donne... Oh putain, j'ai niqué ma reine et j'ai un as. Mais là, c'est 1, on est d'accord. Ah ouais, ok, c'est avec les touches. Donc là, si je mets le valet, normalement, je le bats. Dites-moi que c'est ça. Je ne comprends rien. Surtout que mes touches sont inversées, en fait, parce que... Oh putain, les gars, je comprends rien. J'arrive pas à mettre ma carte, en fait, je dois la jouer. J'ai bien compris, ça. Ah non, je dois sélectionner. Je peux pas sélectionner mon valet, donc je peux pas le battre directement. Bon, bah, je mets mon as. Voilà. Donc, ça fait 10 à 1, on est d'accord. Ensuite, ah, on peut pas jouer les figures en fait. Ah, on peut peut-être pas jouer les figures en fait. Donc là, je mets un 9. Donc pour l'instant, c'est moi qui perds. Bah, j'ai perdu en fait. Si j'ai bien compris. Sélectionner. Ah oui, ok, c'est en plusieurs manches, putain. Là, je peux mettre le J, là. Là, je peux mettre le J. Bah quoi, ça fait Blackjack qui casse les couilles. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a retiré mes deux cartes parce que j'ai joué le valet. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Tout ce que je fais, tous mes moves sont à chier, les gars. C'est incroyable. 5. Ah, j'ai un roi. Si je joue le roi, qu'est-ce qui se passe? Le roi, ça vaut 5. Ok. Ah ouais, ok. Donc en fait, il faut que toutes nos piles... Ah ouais, putain. Bon, attendez. Hop, ici, je vais mettre le 5 contre son 4. Et on peut faire que 3 cartes maximum par pile. Ok, je commence à comprendre en vrai. Donc la première pile, j'ai perdu 25 à 20. Là maintenant, il va surenchérir sur la deuxième. Bah ça va être compliqué en vrai. Hein. Il faut aussi que j'échange des cartes parce que là, j'ai que des trucs de merde. Oh! Là, je suis passé à 40 sur celle-là parce que j'ai défaussé une carte. J'ai rien capté. J'ai rien capté, mais c'est très bien parce qu'on gagne. Donc je vais essayer de surenchérir... sur celle-là. Ah, je peux pas. Défausser piste. La piste, c'est la totalité de la pile. Qu'est-ce que je peux jouer, en fait?
Rien. Défausser carte. J'ai un as. Ok. Ici le 7, je le joue. Je peux pas. Super. Là la première, je suis à 40, mais c'est en rouge. Du coup, je sais pas pourquoi ça me fait flipper. Je peux pas jouer peut-être. Défausser piste. Ah ouais, ok. Ah ouais, je suis obligé de la recommencer à zéro en fait. Oh là là. Oh. Je, pire game du monde, je pense. Jamais quelqu'un n'a joué aussi mal à ce jeu, je pense. Sélectionner la carte. Et là, je peux pas la mettre. Bon, bah, je la mets là. Pas vraiment le choix, manifestement. Bah, je pense déjà que y a pas moyen d'abandonner parce que ça dure longtemps. Hein. Moi, je voulais juste le tuer à la base, hein, le monsieur. Ouais, franchement, on va te faire foutre. J'avais parié que 5 capsules. C'est pas grave. Bon, en plus de n'avoir rien compris à ton putain de jeu, tu vas mourir. Voilà, voilà. On va se mettre ici, gentiment. Je pense qu'on devrait être caché. Tu ne dors pas? Ah, je peux dormir dans son lit. On va vite fait dormir. Voilà, voilà. Vas-y, bouge, hein. T'inquiète pas, fais comme chez toi. Il est tard, hein. Ouh là là. Il est tard. Il faut dormir, parce que le sommeil, c'est important. Voilà, très bien. C'est parti, je vise la tête. Et voilà, attaque furtive critique contre Ringo en pleine poire et on gagne un level là-dessus. C'est magnifique. C'est magnifique. Incompréhensible les règles de ce jeu, je suis totalement d'accord. On va se mettre à 50 en discours. On va se mettre aussi... Bon, moi j'aime bien arrondir. Hein. Vous me connaissez. 30 en médecine. Après, oui, c'est vrai que c'est pas forcément utile. Qu'est-ce qu'on augmente? La discrétion, les armes à feu. 35. Voilà. Et alors, on a déjà une compétence. On va déjà regarder. Cannibal, c'est au niveau 4. Oh! C'est au niveau 4 dans New Vegas. Donc, c'est dans Fallout 3 que c'est au niveau 6 ou au niveau 8. Ouais, c'est ça. Dans New Vegas, le cannibalisme est beaucoup plus tôt. Déjà, le niveau 4, les gars, on va pouvoir bouffer des gens. C'est super. Ouais, bah, en fait, la chance, ça sert à rien, en fait. Bah, si, hein. Parce que, franchement, ne serait-ce que dépouiller les casinos et te faire 40 000 capsules dans New Vegas, quand même, hein. Avec l'aptitude mémorisation, la durée des bonus accordés par les magazines, ok. Entêtement en transe, on peut évidemment booster un spécial. L'esprit vif, rapport 10% de points d'expérience supplémentaires. Ah bah voilà! L'esprit vif va contrer le malus de notre trait qui nous retire 10% d'expérience. Donc on se prend esprit vif, il faut le prendre directement celui-là, vraiment c'est super important. Donc 10% de plus d'XP. Dès qu'on en gagne. Et alors ici, des petites capsules. Je récupère mes capsules du coup, espèce de bâtard. Et le reste, on s'en fout. Merci, au revoir. On reviendra pour le bouffer, bien sûr. On va voler tout ça. On va déjà voir notre karma aussi. On va voir notre karma à la fin de... du stream. Voir si on est déjà bien engagé sur le chemin du mal. On peut faire notre maison ici, hein. On a une trousse de médecin, de la levure. On peut faire un petit pied-à-terre déjà ici, on a la box pour les passionnés. Un premier magazine, des bouteilles vides. Je regarde s'il n'y a pas une capsule étoile, on a des steampacks au fond. Faut bien les voir. Parce que la quête des capsules étoilées de la Sunset Sarsaparilla commence dès maintenant. Bah voilà, hop. On a plein de la Sunset là dans les caisses.
Ici, qu'est-ce qu'on a? Du maïs frais. On prend, hein, c'est super important. Le sac marin. Radix, bloc-notes médical, tout ça, on s'en fout. Bon, bah super. Donc Ringo est décédé d'une très belle lance en pleine tête. Est-ce qu'on peut voir la lance? Non. Mais il l'a prise en pleine tête. Il l'a prise en pleine tête, c'est, je vous l'assure. On va se faire une petite sauvegarde auto. Enfin, une sauvegarde normale. Les casinos, t'as juste à charger des saves quand tu rates. Ah non, les casinos, tu rates tout le temps quand t'as pas assez de chance, dragon. Quand t'as moins de 7 en chance, tu te vas te foirer à tous les casinos. Y a pas de hasard, c'est de la chance pure. Je vais dormir parce que c'est chiant le jour, la nuit. Même si c'est joli. Dans New Vegas, il faut absolument de la chance pour gagner au casino. On va dormir jusqu'au petit matin dans le cadavre de Ringo. C'est toujours plus confortable. Avec le vieux Festus plus pistolet laser pam pam. Exactement. Bah, c'est toujours une quête qui est facile à faire en vrai, hein, la quête de la Sunset. Regardez-moi ça, mais c'est tout beau. Moi, j'ai vraiment envie de continuer de jouer comme ça, hein. Mais ça va vraiment être chiant vis-à-vis de des chargements et des bugs. Après, moi, ça me dérange pas de redémarrer mon jeu 5 fois toutes les 3 heures. Hein. Je pense que c'est quand même un peu la moyenne dans ce jeu. Mais il est quand même super beau, les gars, le jeu comme ça, hein. Vous trouvez pas? Avec des couleurs plus vives, plus contrastées. Ça change, hein. Ça change des magazines. On va retourner voir Jacob. Lui donner la nouvelle. Donc Ringo est décédé d'une lance. Il voulait une balle en pleine tête, mais on lui a donné une lance. Les poudriers se sont rassemblés à l'entrée de la ville. Ça va ou quoi, les gars? Bien ou bien? Ah, bonjour. Vous êtes nus, vous? Ça manque de femmes par ici. Oui. Bah oui, bah j'en ai buté. Oui, c'est vrai. Bonjour. Qu'est-ce que vous voulez? Oh là là, tu vas te calmer. Ringo est mort. Bien. Il nous faut encore un plan avant d'attaquer la ville. Je ne veux pas risquer la honte d'être battu par une bande de Pecno. Hmm. On n'a pas grand-chose. Mais si vous alliez réclamer des trucs aux Toubib et aux marchands, ça irait mieux. On peut essayer. Quand vous aurez fait ça... Ou pas. À vous de voir. Donnez le signal et on attaquera. On va essayer. Donc les poudriers, bonne réputation accrue. Racketter Chet. On va aussi devoir aller voir Doc Mitchell. On va voir. C'est pas exclu. On a quand même assez bien de charisme. Mais est-ce que c'est assez? C'est pas lui, Chet? Non. Il est ici. Hop. Bonjour, Chet. Hello. Vous devez être la personne que Doc Mitchell a rafistolé. Vu ce qu'on m'avait dit, je m'attendais pas à ce que vous vous en sortiez. J'ai des tas de choses à vendre, même des modifications d'armes et des munitions spéciales. C'est le genre d'achat qu'on ne regrette pas. Si vous manquez de capsules, j'ai aussi des caisses de munitions de surplus. Ah d'accord, elles sont pas géniales, mais pour le prix... Oui, c'est super. Alors, donnez-moi des ressources pour les poudriers. Quoi? Mais pourquoi je ferais une chose pareille? Parce que sinon, je te démonte ta gueule. D'accord, je vais vous donner quelques armures de voilà, cuir et des bien. Munitions. Vous voyez, quand, on a, si c'est quand on a le verbe, tout passe. Voilà, première petite réussite au discours. Donc ça, c'était utile d'avoir déjà 25 de discours d'office. Je vais lui vendre des trucs. Je D'accord. crois que j'ai des petits trucs à lui vendre. Ouais. Le hachoir, le coupe-chou, en vrai, bon, bah les couilles, hein. Le 9mm ici, je vais le réparer. Le fusil à vermine aussi. On va commencer à réparer déjà tout doucement tout ce qu'on a. Hein. Faut vraiment pas perdre de temps. Et alors ici, est-ce que j'ai quelque chose? Non. Bon, c'est tout. 4 capsules, c'est toujours ça. Merci. En vous remerciant, estimez-vous heureux que vous gardez la vie. Mais peut-être Et pas bonne pour sur- toujours. Allez, ciao. On va aller voir Doc Mitchell. Avec le vieux Festus, la casino, donc voilà. Le cannibalisme peut te sauver la vie en hardcore. Ah mais oui, mais le cannibalisme, les gars, c'est méga utile. Hein. On juge les cannibales, mais c'est extrêmement utile. Bonjour. Vous revoilà?
Bah oui. J'espérais que vous n'auriez pas besoin de mes services aussi rapidement. Qu'est-ce que je peux pour vous ? Alors, comment dire ? J'ai besoin de matériel parce que il y a un type qui est Sonny Smiles qui est blessé, elle a sa jambe, elle boite. C'est vrai ? À quoi elles ressemblent, ces blessures ? Mais je sais pas, elle s'est blessée. Oh, et bah voilà, on a 25 ans médecine, les gars, c'est génial. Tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant porte ses fruits déjà. La respiration est irrégulière, il crache du sang, des blessures internes peut-être. On s'est battu contre des geckos, elle va vraiment pas bien. Très bien, ça a l'air sérieux. Tenez, prenez ça. Ça devrait suffire. Bonne chance. Merci, en vous remerciant. Prenez soin de vous. À la prochaine, ciao. On va bientôt le bouffer aussi, lui. Vivement le level 4, les gars. Il y a déjà le malus que les gens n'apprécient pas. Si tu manges des gens devant eux, ouais, ils vont t'attaquer, c'est vrai. Mais c'est pas... Voilà. C'est pas non plus... Il suffit de bien manger les gens de façon cachée, sans problème. Tout ça. Regardez-la gambader comme elle est heureuse. Bon, moi, je vais tirer... On va jouer avec une arme. On va essayer de toucher un max de gens. Et c'est parti. Première réparation de 9 mm et de fusil à vermine et d'armure. On adore ce petit son. Je vais me mettre sur le... Ah ouais, on a un lance-grenade, effectivement. Il est là. Je vais me mettre sur le 10 mm. Il fait mal. Après, j'aime beaucoup le 9 mm dans le jeu. Je le trouve tellement cool. Un bon gun comme ça, là. Classique. On adore. Alors. On est prêt à y aller ou pas ? Yes, tiens, j'ai tout fait. Pas trop tôt. Tout ce que t'as demandé. J'ai vu plusieurs habitants se rassembler au saloon. Ça veut dire qu'on va affronter une milice. On va affronter la milice ? Preston Gabriela ? Préparez-vous à la baston. Let's go. Allez, les gars. Il y a déjà un vieux trou du cul là-bas. Ah bah c'est le vieux Easy Pete. Bon bah lui ça va, il était voué à crever de façon un jour ou un autre. Il y a un fusil à énergie là aussi, j'ai vu. Oui, ils sont démontés en vrai. Bah je vais les laisser se battre entre eux parce que moi plus il y a de morts mieux c'est. Ça te plaît, ça ? Oh la vieille Trudy, trop mignon. On était si proche il n'y a pas si longtemps, enfin. On va tout lui mettre en pleine tête. Ouh, coup critique, les gars. On fait du CC. On en fait du CC. Doc Mitchell qui nous attaque. Et on a de très très bons pourcentages, en vrai. Tête infirme. Rechargement. Il est mort. Ah, c'est le vieil Easy Pete, les gars, le dernier. On est vilipendé. C'est Easy Pete, les gars, qui a survécu le plus longtemps. Et les poudriers nous acceptent. Les poudriers nous acceptent. C'est beau, ça. Candy attaque votre village. Limite, il attendait que ça. C'est moi où il sourit en t'attaquant. C'est possible, c'est possible. Ça me fait penser que les skins des armes dans le 4 sont pas très beaux. Bon bah voilà, quête achevée. On s'est fait accepter par les poudriers. On a massacré des gens honnêtes. Il y a du sang partout. Que faire de mieux ? Que faire de mieux ? On a commencé comme il se fallait tout ça. On les a trahis, bien sûr. Hein. Elle avait du caravane, du 357. On va tous les dépouiller, bien sûr. Capsule. Le pistolet laser. Ça se revend. Mais du coup, Chet, il nous a pas attaqué. Il reste dans son magasin, Chet. Le Easy Pete, il avait de la dynamite. Le chapeau de Bouvier, on va le mettre. Hein, plus 1 de perception. Le Magnum, très très bonne arme, évidemment. Et ici, on a de la Sunset. Après, je sais pas si je la vole. Ah, on a quand même du poudrier qui est décédé. Donc voilà. Good Springs est aux mains des poudriers. On a augmenté largement notre réputation auprès d'eux. Moi, je propose d'aller vers la prison. On sait en tout cas que le connard qui nous a...
qui a tenté de nous assassiner, reparti vers le strip. Donc, en vrai, c'est sur la route. Pas du tout, mais... La prison de la RNC, elle est là. Le strip, il est là. Plutôt vers le nord-est. On va aller vers Prime, tout ça. Le drive-in ici, on va se faire tout ça. On va quand même explorer un petit peu, hein, avant de foncer vers la mission principale. En tout cas, pour aller vers le strip... Passer directement par ici, c'est délicat, parce qu'il y a Quarry Junction. Il faut d'office faire le tour. On peut faire le tour, on va se faire une balade dans le sud, les gars. Et moi, je suis chaud d'aller voir les poudriers. Le doc, il est mort, aigle. En espérant que les poudriers mangent pas ta viande en attendant d'être eux-mêmes ta viande. Exactement. Ah oui, mais non, ils ne vont pas m'assassiner. Je l'ai looté ou pas? Oui, je l'ai looté, Doc Mitchell, hein. Je l'ai looté, bien évidemment. On reprend notre petit rituel aussi. Toujours faire exploser ou décapiter les têtes de nos victimes. Ça change pas, hein. Ça ne change pas. Ce bon vieil Easy Pete. Ah là là. Bon. Ben en vrai, voilà, on a quand même avancé. Malgré les bugs. C'est toujours ça. On a quand même avancé. Good Springs, le destin est scellé. On va revenir à Good Springs, bien évidemment. Il n'y a aucun problème. Et on va évidemment massacrer tous ces trous du cul de poudrier aussi. Voilà, ça reste de la bonne viande. Ils n'ont pas de récompense à me donner, ils s'en foutent. On a juste... Par ici. Ah, le chien, ils vont tuer le chien. Ah, mais ça du coup, plaît. Voilà, Sunny Smiles, on a les deux fils la buter. Et le chien, il est résistant, les gars. Voilà, je l'ai eu. Et ici, on a un habitant de Good Springs. On peut pas l'assassiner. Ils sont esclavagés. Bon, bah voilà. C'est fait. On peut prendre tout l'alcool qu'on veut, par contre. Intéressant. Voilà. On a tout pris. Très clairement. Ah, il est où, Jacob? Poudrier. Salut. Poudrier. Bah, il est où, les gars? Il est parti dans la maison de Doc Mitchell? Oh, putain, c'est horrible. De nouveau un bug. Oh là là. Bon, je pense qu'on va rester là-dessus. Et on va se dire à la prochaine. C'était un plaisir, en tout cas, de reprendre le stream. En full HD. C'est tellement incroyable. Et on se dit donc à la prochaine avec un jeu, je l'espère, beaucoup plus stable qu'ici. Et encore de belles aventures. Donc on est vraiment parti pour toute la totalité du jeu, de l'exploration des DLC. On va déjà se faire les poudriers au prochain épisode. On va doucement faire la mission principale aussi, hein. J'ai envie de faire vraiment un maximum de saloperies. Vraiment genre le Lucifer Penny, elle est là, mais pour trahir et bouffer tout le monde. On va vraiment profiter d'un maximum de ces possibilités-là que nous offre le jeu, parce que New Vegas est quand même bien foutu. C'est plus lourd qu'on le pense. Il est là, le trophée des 100 000 abonnés. Voilà, comme ça on le voit. Il est magnifique, il est sublime. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Et oui. Il est là, on l'a. C'est grâce à vous. Et ça va continuer sur YouTube, il y a plein de vidéos lore qui arrivent. Je vais le dire dans les prochaines vidéos, mais donc il y aura beaucoup d'abris. Je vais essayer de finir les abris, la totalité. Donc il y a plein de bonnes choses qui arrivent. Voilà. Et on se dit donc à la prochaine. Plein de bisous.